Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vois qu'il y a déjà tout le monde qui est là. Bonjour Kamfar, bonjour Doom, bonjour Bigfoot, bonjour Scandalamore, bonjour Baloulou, bonjour Kadhafi, bonjour Dr. Spank. Ouais, alors attendez, parce que là il faut que je lise. Attendez. Ouais, ça va, c'est fini ou on ne s'entend même plus écrire? Salut, c'est clair? Ouais, bonjour à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Donc, bon, bah écoutez, Damshin. Non, pas là. Donc aujourd'hui c'est un spécial bière. Adorable et ponctuel. Ouais. Oui. Et ça va, t'as passé une bonne après-midi hier, Kafar? Du coup, ouais, le sport. Pas là. Ouais. Alors écoutez, donc ce que je vous propose aujourd'hui. Donc on avait fait pour le petit déjeuner mardi, je sais pas si vous vous souvenez, un cake avec de l'avocat. Ouais. Ouais, le petit cœur. Allez, il faudra que tu nous racontes ta soirée, gastro, hein. Ouais. Donc on avait fait un cake à l'avocat, je sais pas si vous vous souvenez, avocat citron vert, donc c'était plutôt bon. Et donc du coup je me suis dit on va rajouter, donc on va mettre de la DSP et enfin on va faire un cake guacamole en fait. Et on va mettre des épices mexicaines, comme ça du coup ça nous rappellera un petit peu la guacamole. Ensuite on va faire un filet mignon à la bière brune, donc ça sera la Guinness. Donc là pour l'instant en cuisine je vais juste utiliser, comme c'est 50, il y a quand même 50 et 50, hein, les calories. Hein. Donc là du coup, ouais. Donc ça sera pour le cake et on va faire une glace à la DSP aussi. Et pour le plat, donc nous allons faire une Guinness et on va faire les gâteaux choco protéinés que vous connaissez. Hein. Et ça, on va rajouter de la Guinness et je vais changer la farine. On va mettre la farine de pois chiche pour que ce soit un petit peu encore plus protéiné. Donc du coup voilà. Donc ça c'est pour les deux bières et à la fin du stream je vous réserve autre chose. Voilà. Donc on est parti. Alors attendez, donc maintenant du coup il faut que je vous le dise. Je me suis sentie telle un poulet à la broche. Ouais, donc t'as bronzé, ça fait du bien. Hein. Ouais, ça... Bonjour Néo Twitch. Si tu préfères, je t'appelle un dessin. Ah, un petit dessin. Donc ça va, t'as passé une bonne soirée alors. Bon, je dois vous laisser, je voulais faire un coucou et te faire un viewer pour les stats de Maya. Merci Dr. Spank, merci, c'est trop gentil. Prenez soin... Ouais, prends bien soin de toi aussi. Sur la maillot. Non, maillot, pas de maillot aujourd'hui. Anas non plus. Ouais, merci. Non, non, je ferai attention. Ça marche, Dr. Spank. Merci d'être passé. Bonjour, vétérande. Coucou. Petite anecdote de jour. J'ai mis le lait avant les céréales. Oh, bravo. J'étais mute sur Discord pour ça. Ah, Kadhafi. Ah, ok. Bah, je savais pas. Ok, j'ai dit bonjour à tout le monde. Baloulou, c'est bonjour, oui. Ok. Donc, Kadhafi. Ah. Ça y est, ça commence. Hein. Parce qu'on met pas le lait avant les céréales, c'est ça? C'est pour ça que t'as enlevé. GG le thème. Meilleure modération du monde. Ouais, c'est clair. Ah, j'ai pas vu. Ok. On met pas... Voilà, c'est ça. On met pas le lait avant les céréales. Exactement. Bon, bah écoutez, c'est parti. Donc, on va commencer. On commence avec quoi? Les gâteaux choco, c'est 15 minutes de cuisson. La glace. On va commencer avec la glace. Donc, du coup, on est parti. Alors, la glace, on va les mettre dans les petits pop-up. Donc on va mettre là-dedans, on va voir si ça va prendre. D'ailleurs la glace à la fraise hier, hein, c'était bon. Hein. C'était un peu dur en fait, il a fallu un peu casser la glace. Voilà, donc on va faire nos glaces là-dedans. Et ça te fera une nouvelle anecdote. Tu vas continuer à supprimer ce qu'il dit. Alors pour la glace, donc on va faire revenir de l'eau. Dans une casserole et on va mettre un peu de sucre. Alors du coup je pensais qu'il me restait du sucre mais il me reste un fond, donc on va juste mettre ce fond là et on mettra la DSP. Une casserole, voilà, c'est là. Très bien. Ok. Donc quoi, le truc à l'eau goût fraise? Ouais, le truc à l'eau à goût fraise. Et les fraises elles étaient bien marinées et tout, franchement c'était bon. Le thème du jour, cafard. Et la bière. Ouais, de la mayo et du sucre aujourd'hui. Mais oui, je vous dis, là c'est. Et la semaine qui arrive aussi, donc ce que j'ai prévu, il va y avoir un petit peu beaucoup de. Eh, j'ai même pas marqué cheat meal. Oui, parce qu'on est dans cheat meal aujourd'hui là. Ouais, mais alors, très jolie la tenue aujourd'hui. Ad gastro. J'ai pas vu, c'était sur le Discord. Mince. Baloulou, ouais, c'est l'Octoberfest. Bon, je l'ai jamais fait, hein. J'aurais bien voulu le faire, mais. Voilà, il n'y avait toujours pas, très bonne réputation, donc du coup ça m'a un peu. J'aurais bien voulu le faire. J'ai une copine qui l'a faite. Et du coup, bah ouais, bah elle l'a fait et c'était bien, donc dommage, j'aurais dû partir avec elle.
Alors attendez, donc on y va. Du coup, je ne vais pas peser. Donc, je pensais mettre à peu près 40 grammes de sucre. Ben, en fait, il va y avoir, je crois, 5 grammes. Mais non, on n'est pas en octobre. Non, ouais, je sais, on n'est pas en octobre. Mais bon, du coup, c'est la bière. Ouais. Et gastro, t'as rajeuni, hein, grâce à ta soirée, t'as vu? Fait du bien, trop de trucs à signaler sur le verre, je suis perdue. Non, c'est vrai, vous aimez. Bah, c'est sympa. Non? Il y a les bouchons aussi, les bouchons de bière. Oui, c'est gastro, ouais. Il a pris un coup de jeunesse avec hier soir. Ouais, comment ça fait? Ouais, ça fait du bien, hein, t'as vu? Ok, donc du coup, on va porter l'eau à l'ébullition. Je vais mettre du sucre dedans. Et une fois que ça sera ébullition, on rajoutera la DSP. Bon, j'aimerais bien que le cake il soit réussi parce que du coup, en fait, je me dis comme ça, je ne le mangerai pas ce midi. J'ai invité le voisin à côté à venir ce soir. Il était peut-être temps en fait. Et pour mercredi, repas de Noël. Mercredi, c'est recette médiévale. Nous partons au Moyen-Âge. On va pas faire veggie. Ouais, on fait pas veggie. Peut-être qu'on fera veggie. Bah, vendredi, non, vendredi, on fait l'aïoli marseillaise. Samedi, street foot américaine. Et dimanche, spécialité Bourgogne. Donc, c'est bon. Nous avons le programme pour la semaine prochaine. Mais gastro enchaîné direct. Ouais, c'est pour savoir comment s'est passée sa soirée, c'est sympa. Donc, t'as fait du caramel et je me suis dit waouh, en vrai, c'est trop fascinant que le sucre fonde avec la chaleur. Du coup, je me suis dit, si j'essayais de faire fondre du sel. Non, mais c'est une blague là, Kadhafi, c'est pas possible. Bonjour Kizike, comment ça va? Tu pourras mettre un costume traditionnel? Ah oui, mais alors attends, pour quel stream? Je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut parce que là, du coup, j'ai pris que des petites robes, des shorts et des débardeurs. Ouais, faut que tu me dises, oh trop bien le monde. Ouais, les recettes médiévales, ouais, grave. Ouais, donc ça sera il y a des recettes du 11e, 12e siècle et tout. C'est sympa, hein, c'est cool, hein. Donc j'ai trouvé ça sur Instagram et tout. Je me suis dit, tiens. Hop. Et du coup, j'ai tagué, comme ça ils verront que j'ai. Ça c'est bon. Donc voilà, on a juste à peine de sucre, très bien. On a 5 grammes de sucre, moi ça me va. Du coup, l'eau est à ébullition. Donc nous allons ajouter notre bière. Ok, donc on prend notre DSP et on va mettre 10 centilitres, la cervoise. Ouais, alors attendez, donc du coup, la cervoise, c'est une bière ça la cervoise? Ok, donc je mets l'équivalent de 10 centilitres. Qui m'appelle? Sinon tu te fais internet à la rentrée, c'est ça? Faut essayer le sel fond avec de l'eau. Ouais, pas avec la chaleur, et c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, bah écoutez, on est bon. Ouais, j'en mets un petit peu plus pour qu'on ait 10. Et voilà, on va baisser le feu. Et puis, bah écoutez, on va mettre ça dedans. Hein. Ça va pas faire de réaction ni rien du tout, hein. On est d'accord. Hein. On y va. Donc, re-ébullition. Une fois que c'est ébullition, c'est bon, on mettra dans les petits pots. Boum, ouais. Il y a eu le pitch. On attend pas Patrick. Ouais, Madame Chine, c'est toi qui es en retard du coup. T'as vu la bière? Ouais. Test, on verra. Oui, pour la Guinness. Non, bah, c'est la DSP. Voilà, donc la Dame Chine, la DSP, on va la mettre dans un cake pour l'apéritif. Donc ça va être cake guacamole. En fait, on va faire le goût guacamole. Comme ça ira bien avec la DSP. On la met dans une glace. Je fais une glace DSP. Et ensuite, on va utiliser la Guinness dans le plat, dans le filet mignon. Et la bière, ouais, c'est clair. Et dans le gâteau chocolat protéiné avec le skyr. On va voir ce que ça donne. Voilà. Quoi? Un non-sub? What the... Un gastro, excellent. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais laissez tomber là au niveau des abonnements. Truc de fou, quoi. Ouais. Ouais. Ok, donc du coup. Bien, je suis. Salut. Ah, attends, j'ai pas vu Amnitias TV. Ah, bonjour, je t'ai pas vu. Excuse-moi, j'ai raté Amnitias TV. Excuse-moi. Ok, alors, hop, ça va arriver à ébullition. Et ensuite, on va partir. Ouais, gâteau chocolat à la bière.
On va essayer Kizike, on va voir, on va voir. Je vais porter mon micro. Ah, merci pour la vidéo. Et Doom, ça fait. Merci pour le sub, pour la Doom. Merci, l'inflow, trop gentil. Donc, du coup, t'es derrière. Ok. Mais écoutez, ça sent hyper bon la bière. Ouais, ça sent trop bon la bière. Maintenant, on va. Bon, on va mettre dans les petits. J'attends que ça refroidisse et puis du coup, on va les mettre là-dedans. Et on va partir sur notre filet mignon. Donc, on a des petites découpes. Merci, Narflo. Ouais, merci. Merci, merci. Donc, doux. Ouais. J'aime bien les décos que tu mets sur ton live. À chaque recette, un petit clin d'œil. Ah oui, merci, Kadhafi. Ouais, bah, c'est pour. Voilà, vous êtes avec moi. Et t'as vu Delphine? Oh, le Nord. Ouais, merci pour le follow. Merci Jean-Kévin. Ah, on est dimanche. Kevin est avec nous. C'est quoi la référence de ton bras articulé? Alors attends, où le bras articulé? Il y a la Guinness. Tu parles, c'est gastro? Le gars qui est comme ça? Attends, ouais, j'ai pas compris. Witches. Salut, bonjour, bonjour Rio, comment ça va? Plus de LBD avec deux. Ouais, c'est clair. Il y a des tons que vous ne pouvez pas entrer, monsieur, c'est une maquille. Ah! Merci, Gastro, pour les cheers. Merci. Arrêtez. C'est bon, là, on va faire un stream tranquille, ok? De la caméra vue du dessus. Alors, attends. Donc, attends, je reprends. La gauche, Maya, tu trompes personne, on a vu. Alors, à gauche de la caméra. Vous avez vu quoi? C'est le nord. Ah oui, c'était à droite. Ça sent trop bon la bière. Oui, c'est bon. Merci, Doum. Oui, là, je suis paumée. Merci, Doum. Alors, attendez. C'est quoi la référence de ton bras articulé? Chaudement. Ouais, cette nuit, il a fait hyper chaud. Oh, voilà, mon Dieu. Les bats de Doum. Oui, ouais, merci pour les cheers, Doum. Merci, Gastro. Merci, Dieu. Merci, Doum. Alors, attendez, l'autre, Ouais, mais là, je suis paumée, là. Prête pour une pizza hawaïenne. Non, mais du coup, ce soir, je vais faire une pizza comme il vient pour l'apéritif. Merci, Narflo, arrête. Merci, Bigfoot, pour les tirs. Arrêtez, faut que je cuisine. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais couper l'oignon. C'est 1 cm. Alors, attendez. Le truc qui tient la caméra vu de haut. Ah, donc ça mince. Alors attends, direct en PLS, bois un coup. Non mais c'est clair. Attends. Merci Narflo pour le sub pour Chonchon. Ouais, merci pour les cheers. Ouais, on va couper l'oignon. Merci Bigfoot pour les cheers. C'est pour l'oignon. Allez. Qui y a devant toi qui filme les plats du dessus et tenu par un bras. Quelle est la marque? Ah, d'accord, ok, excuse-moi. Alors attends, donc la caméra c'est Logitech. Et le bras, c'est un truc qui s'attache, mais je crois que j'ai pas y a pas la marque dessus. Mais je pourrais te trouver, il faut que je regarde le carton. Oh, pardon, désolé pour le gros plan. Attends, c'est Logi. Ouais, il n'y a pas sur la pince en fait, il n'y a pas de marque. C'est une pince, tu sais, que tu accroches ici. Là, voilà. Les gars, c'est pas possible. Arrêtez, mais c'est clair. Donc, Chanchon, t'étais avec nous? Ouais, coucou. Ouais, je te dis ça. Il faut que je regarde les cartons. Je garde les cartons à chaque fois, je te dirai. Oh là là, mais bon, bah merci. Arrêtez. Vous voulez que je bois un coup, c'est ça? Merci pour les subs. Donc, merci pour les subs à White Tiger, à Sullivan, à Gentil Toutou. Tiens, Gentil Toutou, ça fait un moment qu'il était pas là. Merci pour le sub à Pokerabo et à Snoopy, Snoopy61. Ah, ouais. Ok, merci Bigfoot. Merci pour les abonnements Bigfoot. Merci pour les subs. Merci pour les subs à Les Lunes. Les Lunettes de Ponce, oui, elle était passée. À Sébastien, au petit oignon, il était avec nous cette semaine. Merci pour Team Suzuki, il est trop content. Merci Bigfoot pour Hybrids. Hybrids et. Moufle-mine, ouais. Ouais, t'as vu la tête en gros plan, Kadhafi, ça change, hein. C'est mieux à distance, hein. Et merci Marflo pour les 5 subs supplémentaires. À Mickey, à Ozok, à Diabolikerly, à Terni et Oumagad. Ouais, merci pour eux. Bon, bah écoutez, la bière. Ouais, la bière, elle est en train de refroidir, là, du coup. Et la bière. Arrêtez! Merci pour les tirs.
Ouais, Mickey. Donc ça y est, Mickey. Ouais, coucou Mickey. Ouais, grave. Merci pour les tirs de Bigfoot. Oh là là, mais mon Dieu, merci Doom, arrêtez. Ok, vous savez que là j'ai très très chaud. Liquide, ça peut être un ingrédient. Ah, c'est ça, vous voulez pas que ce soit réussi pour Damshin? Mais grave. Alors attendez, il m'a raté quand le train sera arrivé en gare. D'accord, ok, bah nous. Ah, ça, vous refaites le train, mais vous n'allez pas le faire à chaque station. Merci Narflo, non mais au secours. Hein. Oh là là, merci pour les subs. Quand j'ai chaud, je me mets nue perso. Bah, moi, c'est sûr, je vais pas me mettre nue. Elle me cherchait, je suis grec. Merci pour les tirs, merci. Bonjour Diabolique Girly, bonjour. Ouais, merci Narflo pour les subs à Olius, à Loulou, à Baptiste, à Jubaobab. Oh, Jubaobab aussi, il va être trop content. Merci pour Neka. Tiens le coup, Maya, vous êtes avec moi, merci. Merci, merci, merci. 153 pour la bière. Ouais. Et la bière. Bon, on a une petite surprise à la fin du stream. Je trinquerai avec vous. Ouais, bah écoutez, merci à tous. Merci, c'est gentil. Et la bière. Et la bière, ouais. Ouais, merci. Bah merci à tous. Merci pour les tips et merci pour les subs. Marflo, ouais, coucou. Ok. Bon bah du coup on est parti sur le filet mignon. Ouais. Sinon vous n'allez pas manger encore aujourd'hui. Bon bah c'est parti. Du coup le filet mignon. Donc on va faire oignons et carottes, on va les éplucher. Alors oignons. Nous avons un gros oignon. Je pense que ça ira. Ouais, donc j'en mets un deuxième. Et le tutu de la bière, ouais c'est le tutu de la bière. hop. Bon j'en mets un deuxième. Oignon très bon pour la santé. Du coup, il faut alterner entre cru et cuit. Hein. Comme ça, cru, vous avez tous les nutriments. Et cuit, bah, du coup, ce sera peut-être plus digeste, on va dire. Et voilà. Et tout ça, même pas pour... Ouais, j'ai même pas coupé encore. Avec toute cette viande. Ah ouais. Tu as passé au toilette. Oui, donc là, du coup... Ouais, petite vie. Ouais, c'est ça. Bah oui, sûrement. Très certainement, ouais. Bigfoot direct, hein. Tu t'es senti visée ou ça va être les chutes du Niagara avec l'oignon? Non, je vais le passer sous l'eau. Je vais le passer sous l'eau. Comme ça, du coup, ça devrait être bon. Enfin, j'espère. Hein. Et c'est mort pour la recette. Non, ça y est, je m'y mets. Allez, go. Je m'y mets, je m'y mets. Non, on va couper le. Hop. Après, on a de la chance. Du coup, vous allez voir parce que hop, le filet mignon, il faut juste qu'il revienne. On va le faire revenir pendant une bonne demi-heure. Donc du coup, ça ne pourra pas cramer. Bonjour l'artiste du net, comment ça va? Merci, c'est gentil. Merci, merci. Du coup, il fait hyper chaud. Et alors, j'espère qu'il n'y a personne qui dira que c'est trop court parce que du coup, c'est vraiment une... C'est trop, j'ai jamais à l'école. Hein. Et j'ai trop faim. J'ai trop faim. Ça y est, encore j'ai faim, c'est pas possible. Heureusement qu'il y a la picole. Ouais, mais complètement, ouais, c'est clair. Hein. Tu m'étonnes. Ok, alors du coup on va sortir plutôt le grand wok. Voilà. Et puis ben, on est parti dans la découpe. Hein. Tout ce qui est petit et mignon, Doom. Il a dit quoi, Doom? Entre nous, ne répète pas, mais c'est là. Reste discret. Vous êtes trop. Vous êtes grave, n'importe quoi. Ok. Alors, donc non, c'était pas... Attendez, j'ai pas passé sous l'eau, sinon du coup je vais me mettre à pleurer. Voilà, là on est bon. Et on va prendre un grand couteau, comme ça je vais avoir un petit peu plus d'amplitude pour couper. Tu mérites de tomber sur les bites de gavard sans faire exprès. Tu es ce qui est grand et charmant. Ouais, moi j'aime bien quand c'est grand. Vous avez vu les vertiges? Hop là. Les verres à vin, et ben c'est pas de bon couteau encore. Oh là là. Bon, il va peut-être falloir que je vois. Je vous montre pas la découpe parce que là, du coup, aujourd'hui, c'est pas ma matinée. donc, tu mets... ouais. Tu n'as pas le droit de lire les messages destinés à un autre. Ah. Ah, c'est bon. Là, je l'ai plus. Hop. Donc, du coup, Namchine, moi, ouais, j'ai pas fait de spécialité du côté du Nord et tout parce qu'il y avait beaucoup de gras. Justement, tchou tchou, hein.
Gastro, ça tape une tourtinette, moi une charlotte qui ne tenait pas à y rire. Vous n'êtes pas gentil. Et Cafard, il a eu les fonds de paquet aussi, ça c'était pas mal les fonds de paquet. Et il y a eu Doom, non, le Doom quand on avait réessayé, c'était bien. Et non, après, c'est vrai que je me suis rattrapée, Cafard, parce que du coup, j'ai fait spécial japonais. Prends une hache. Tu as un plus grand couteau? Ouais, non. Je sais, mais du coup, en fait, ça me donne plus d'amplitude pour couper. Mais ça fait plus de bruit, hein. Ouais, et en fait, je sais toujours pas couper un oignon. 5 mois après, vous êtes avec moi, je sais toujours pas couper un oignon. J'ai eu du charbon, puis ensuite une... Ah, ouais, voilà, c'est ça. J'ai essayé de me rattraper. Mais d'habitude, je pense que ça devrait être réussi, hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. En plus, c'est bah, le dessert, vous le connaissez. On va juste rajouter de la bière. Voilà. Et le cake, on l'a fait mardi. Et il était joli, le petit cake. Il faut un couteau d'office, donc plus petit pour l'oignon. Ah! C'est ça l'artiste, du coup, tu penses que c'est... Ah, c'est pour ça? Il faut qu'il soit plus petit? D'accord, ok, parce qu'ils sont énormes, ceux-là. Waouh, d'accord, ok. Et la bière, ouais, ça va être le stream. Hein. Si t'es pas là, faut les sushis. Ouais. Bon, bah, ça. Peut-être deux oignons, ça va faire beaucoup. Et du coup, Castro, t'as vu, il y a des carottes. Ça va être le petit légume d'accompagnement. La carotte. Si, mais des. Ouais, je vais mettre des oignons. Bon, en fait, j'aime bien, donc du coup, j'en mets pas mal. Ça fera le petit. Bah, en fait, ça sera les légumes qui seront juste à côté, parce que vous avez vu, il n'y a pas de légumes dans le menu. Donc, du coup, voilà. Ça, ça va nous servir de légumes. Un couteau d'office, pas une hache. Non, la hache, elle est là. Attends, elle est là. Mais je vais pas faire avec la hache. Mais j'ai un cierge pour toi. Arrêtez. Vous m'envoyez passer. Vous m'envoyez quand même des ondes positives. Et moi j'ai confiance. J'ai confiance d'Alchine, je vais réussir. Et des légumes pour accompagner la. Ouais. Des chips. Non, pas de chips, des pop-corns, cafard. Il y aura des pop-corns. Hein. Ah bah loulou. Ouais. Du coup, attendez. Et vous avez vu, donc j'ai pas peur, hein, du coup. Donc je repasse sur le crâne. J'ai oublié sur celui-ci. Ouais. Ouais, il est trop grand en fait. Hop. Du coup, il a dit quoi, Big? La carotte à gastro. Ouais, c'est vrai, la prochaine. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Ça passe le gros plan pixel. D'accord, ok. Donc du coup, vous voyez pas. Oui, c'est vrai. Et prochain emoji, ouais. Je sais pas quand est-ce que j'en aurai un. On est quel jour? On est dimanche. Non? Toi, t'as fait fiesta samedi soir? Ah, contrairement à Cafard. Cafard, hier soir, c'était calme. Alors que c'est lui, d'habitude, qui... De quelle année? Nous sommes en 2020. Pourquoi? Attends. Ça rentre pas en termes de pixels. Ok, alors là, les pixels, hop là. Pixel, c'est quoi ce qu'il y a à l'écran? Ouais, c'est bien, bah bien. Bah non, moi, Cafard, moi aussi, j'étais au lit hier soir à 23. Et encore, je crois même un tout petit peu plus tôt. Et du coup, en quelle année? Entre lundi et dimanche à le gastro. vu ton nombre de subs Maya, Imo, tu peux déjà... Ah, ok, d'accord. Ok, bah, je vais voir ça alors. Donc ouais, ça sera gastro. Bonjour, Sir Trotro. Ça va, tu vas bien? Prends la carotte, ouais. Ouais, trop, il faut trop que je... Bah, je vais te mettre une carotte. Ouais, je vais te mettre une carotte, mais grave. Les moutis. Hop. Ok, donc là, du coup, nous sommes... alors... Au niveau des oignons, on est bon. On aura bien nos légumes. Il y a tout plateau, c'est que des oignons. Donc écoutez, bon, on va lancer la cuisson. On va faire sur ça. Et après, on va aller chercher notre filet mignon. Oula. Alors du coup, filet mignon, vous savez pourquoi je l'ai choisi, hein? Hop. Donc c'est une viande, en fait, où il y a moins de 5% de matière grasse, donc c'est parfait. Comme ça, du coup, on grossit pas trop. Il n'y aura pas de gras et tout, c'est parfait. Je vais m'en servir tout. Ouais, la carotte à gastro. C'est clair.
L'anaconda de Colmar, espèce en voie de disparition. Vous êtes grave. Alors, attendez. Ok, un petit peu d'huile. Bon, toujours un huile d'olive pour la cuisson. Si ça fume, vous jetez, c'est pas bon. On va essayer quand même de faire des petits points. Ok, mais arrêtez. Ouais, c'est peu gras, Baloulou, exactement. Ouais, et du coup, en fait, ça vous pouvez le faire ouais, enfin, avec n'importe quelle viande, mais voilà, le filet mignon. Je me suis dit pour changer un peu de. Je vous fais à chaque fois du poulet, donc c'est bon, on va changer du poulet. Donc, ouais, donc il y avait de la viande, hein, t'as vu, vendredi, samedi, dimanche. Après, je vous avoue que. Non, hier c'était quoi? Aussi, hier il y avait du porc, ouais, c'est vrai. Du porc haché. Faut créer une page Wikipédia. Le baobab de ses morts. Ok, alors du coup, donc on est parti pour les oignons. On fera le petit plan, je sais pas à quel moment. Quand est-ce que vous voulez regarder? Bon, on fera un plan quand on mettra à mijoter. Hop là. Alors, je vais remettre les oignons. On va couper les carottes aussi. Les petites carottes. Vous avez vu, circoncision, hein? Ouais, c'est ça. La pauvre. Alors, attendez. Du coup, mademoiselle, ça. Ok, bon, ça, en fait, on va juste les mettre en tronçon. Hein. Pas sirote, une bière. Ok, ils sont trimballés dans le cerveau. Ah, trop bien! Bon, voilà, on va juste faire deux carottes, ça va gastro? Voilà, ça suffit, hein, c'est bien. On veut voir la carotte à gastro. Bah, du coup, j'ai dû couper. Elles sont coupées. Bon, je garde la peau, hein, vous savez pourquoi? J'aimerais le faire encore. Voilà. Mais, on va les mettre juste après. Je vais chercher le filet mignon parce qu'il est en train de faire griller. J'en peux plus déjà. Ouais, c'est. Bah là, Baloulou, j'ai un transit de fou. C'est nickel. Nickel, nickel. Et ce qui permet d'avoir, tu sais, le ventre plat. Ouais. Mercedes, c'est la peau, c'est sympa. Alors, du coup, là, je vais retirer un petit peu le gras. Non, la peau, c'est pour tous les nutriments. Ouais, il y a quand même un petit peu de gras. Il ne coupe pas celui-là. Parler du transit à gastro. Tu m'étonnes. Oui, donc les. Et ouais, après, vous avez tous les nutriments si vous mangez frais. Donc, alternez un petit peu. En salade et tout, c'est très bien. Et du coup, il y a quand même du gras sur cette partie. Je vais en laisser un tout petit peu quand même. Il y a des collines, ça passe aussi. De quoi? Les collines? C'est vraiment pas un petit. Non, à Baloulou? Non, j'ai pas de petit. En fait, j'ai lui. J'ai lui, mais. Ouais, il est vraiment petit celui-là. Pourquoi du coup ça vous va pas? Ils sont trop grands. Mais les cuisiniers, ils cuisinent pas avec des grands couteaux? Non? C'est moi qui. C'est dans mon. Un souvenir, ouf, pardon, j'ai pensé à. Arrête, Doom! Non, non, la peau de. Ouais, les pauvres, non, non. On va laisser ça tranquille. Bon, c'est bon. Voilà. Et puis, bah, écoutez, voilà. Donc, bébé, en fait, j'ai regardé cette blessure et tout, et il est. Presque complètement guéri, je suis trop contente. Et comment il kiffe, ça y est, il a été un petit peu plus loin dans le jardin, il est en train de surkiffer. Hein. Ouais, et je suis trop contente. Je pense que vous en foutez, mais je pense à bébé. Déformation professionnelle, la machine, pourquoi?
Colline ou montagne? Alors attends. Et du coup, bah, le look des machettes. Ouais, c'est clair. Je suis désolée. Merci pour le follow. Attends, du coup. Merci pour le follow, Cyrus. Cyrus. Ah oui, comme dans. Bon, je nettoie ma viande. J'aurais dû la sortir un petit peu avant, je ne cache pas la température. On va mettre. Du coup, pour les connaisseurs, donc il y a même le Lakmir à manche, je ne connais pas. C'est quoi? Grand cuisinier dans le couteau, c'est le type. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Grand cuisinier qui leur a déjà laissé place. Ok, bon, bah écoutez, bah, je vais arrêter parce que. Il est en train de se défaire. Ouais, mais c'est défait, tant pis. Ah bah en fait, je vais garder juste. Ouais. Ça fait bizarre, ça fait une langue. Ça ressemble à une langue. Je ne traduirai pas ça, même de la tête. On boit quand? À la fin du stream. Vous pouvez, hein. Mais attendez, si moi je me mets à boire, c'est bon, non, vraiment définitivement, ouais. Je crois que vous ne m'avez pas vu comme ça. Voilà. Comme une petite gorgée, hein. Ça va. Alors, on va récupérer les petits oignons et on va faire revenir la viande. Trop mignon ce filet. Petit filet, ouais. Donc là, du coup, je pense qu'on a bien 200, ouais, on a 200-300 grammes, c'est bien. Ça fait 40, on a un fou. Non, on a plein de protéines. Hein. Je ne traduirai pas ça. Ok. Alors, on va juste le laisser là. On va faire griller la viande. Et après, on n'aura plus qu'à mettre à mijoter. Ça sera parfait. Alors, un petit peu d'huile d'olive. On est reparti. Le filet comme les petites biennes. Comme les petites biennes. Oui, donc c'est. Et alors, cafard. Ah, Bigfoot, il a obtenu un ingrédient. Bonjour, Cyrus. Ça commence à sentir bon, pareil. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on mette la glace au congélateur. Sinon, il n'y aura pas de glace. Ok. Donc, ça, c'est un petit peu trop chaud. On va éponger un peu d'huile, hein, ça va faire des calories en moins. Bigfoot, donc du coup Bigfoot, hein, donc, ouais, mais je ne peux pas te mettre au programme cette semaine. Et après on reprendra que la dernière semaine. Je te mettrai au programme avec gastro la dernière semaine. Oui Maya, alors cafard quoi. Alors attends, en croûte, ouais, en croûte. Je sais pas, cafard. Je sais plus. Alors. Et du coup, en même temps, à 47 ans. Ouais, 47 ans, si seulement. Mon ingrédient sera. Oh non! Le whisky? Non, mais au secours, quoi. Non, mais c'est pas possible. En plus, je n'aime pas du tout ça. Hein. Mais non, je n'aime pas ça. Le whisky? Alors, Cyrus, vous avez la carte de mon. ok. Le whisky. Les cuisiniers, c'est bon aussi. D'accord, ok, parce que j'aime pas du tout ça en fait. ok. merci pour le cadeau. ouais, je vous donnerai à voir, c'est clair. Ça sent l'Irlande. Ouais, je pense qu'on va partir en Irlande, parce que là-bas, ils ont du temps en ski. Bah, j'en avais goûté comme j'avais fait dégustation du whisky pendant que j'étais étudiante. Mais ouais, non, en fait, non, j'aime pas. Il y a la Jameson, je crois que c'est la Jameson que j'avais goûté. Attends, les avant de dire ça. Ouais, je sais, Gaspro. je crois que les deux, ça sera pire que le whisky. Oh là là, mais mon Dieu. Merci, merci, merci. voilà, tu vas quitter le whisky de Lille. Ouais, bah ouais. Une marque en particulier où je prends ce que je veux? Vous en avez une à me conseiller parce que du coup je m'y connais absolument pas. Ouais étudiante, ouais bah oui oui le whisky existait déjà, ouais. C'est genre la sorcière qui a plus de 100 ans quoi. Ouais et là-bas en fait ils le faisaient, vous savez en cocktail, bah c'était en cocktail dans les pubs.
Donc j'avais fait dégustation à la distillerie Jameson et après dans les pubs, il y avait beaucoup de promotions autour du whisky et tout. Très drôle, très drôle. Un single malt pour une bonne qualité. Ok, bah du coup je vais noter. Je vais noter. Merci pour le follow. Merci, Airi. Ça va, je ne me suis pas trompée. Alors, single malt. Du coup, je ne sais pas. Bon, bah c'est bien, ça veut dire qu'il va falloir que je me renseigne un petit peu sur le whisky. Merci les gars. Merci. Merci. Ok, c'est pas du whisky, c'est trop mauvais. Ah bon? Il y a du whisky au miel. Moi je connais. Non, l'hydromel, c'est pas du whisky, hein. Bon, le viande a bien grillé. C'est trop mauvais. Whisky au miel, je sais pas. Et la prohibition, s'il vous plaît, c'était dans les années 30, hein, au siècle dernier. Donc, Bifoot, je viens. La bouteille de Diaconé. Ok, merci Gaffard. Ok, je vais noter. Merci. L'hydromel, c'est chez. Ouais, c'est breton alors. Donc, c'est bon, on a fait dorer. J'ai fait dorer tous les côtés. Et puis, bah, maintenant, écoutez, on va mettre à cuire. Alors, on va mettre nos petits oignons. Ah, il y en a beaucoup, hein. C'est pas grave, c'est trop bon. Bah Loulou, non, tu lui donnes quelle si elle fait la position. T'as vu, bah Loulou, ils sont pas gentils, hein. D'accord. Donc, presque 47, non, mais sans déconner, là. Je vais peut-être les couper encore un peu plus petits. Alors, gastro, je coupe encore la carotte en plus petit. Voilà, pour les petites rondelles, quand même. Et c'est là où nous allons passer à l'étape de la bière. Nous allons mettre de la bière. Ouais, c'est pas mal, je vous connais. J'ai pas de complexe sur mon âge, donc ça va, ça me dérange pas. Et oui. Je le dis bien, je le dis bien. Quelle chanceuse ce gastro. Ouais, je peux encore couper. Désolée, gastro. Du coup, la glace, on va la mettre au congélateur, hein, ça peut être pas. Donc, glace à la DSP pour ceux qui nous rejoignent. On démontera tout à l'heure, on verra. Voilà. Alors, on va mettre ça au congélateur. Bon, mais afin que vous m'attendiez, on va mettre ça au congélateur. Et c'est la bière, ouais. Et en revanche, sous son toit, il dit ça. C'est con. Non, tu vas te vexer par mon poids. Arrête, du tout. Bon, je fais attention, on va dire. Voilà. Jure, mon beau. Vous avez vu, j'ai posté ce matin le gâteau choco. Oui, et en Bourgogne aussi, l'hydromel. Ah, je ne savais pas, ça. Alors, on est parti. Donc là, ça va être de la Guinness. Ouais. Ok, merci pour le follow. Merci, Amine, pour le follow. Mince. Du coup, c'est en train de... ouais, j'ai peut-être un peu trop secoué. Ah, attendez. Oui, j'ai fait la glace à la bière, j'ai fait glace à la DSP. Alors, attention, on est parti. Il faut juste que je garde. Voilà. Voilà, il faut juste que je regarde un peu pour le gâteau. Et tout le reste, je le mets là. Ok, bon, bah écoutez, c'est bon, c'est parti, hein, la Guinness. C'est justement ce qu'elle va faire. Ouais, ça y est. Donc là, je vais le mettre au congélateur. Ok, j'en ai gardé un petit peu. Ouais, la Guinness, c'était pas ma préférée. Hein. Mais bon, je pense que ça va être revenu et tout, ça va être pas mal. Hop, et de deux ouvertes. Ouais, grave. Mais ça sera épave avec goût. Non, oui, avec le goût. Attends, bonjour Aline. Bonjour, merci pour le follow, Weston. Écoute ton test. Et confiance. Tu vois, il y a Cafard qui te dit et confiance. Bah, du coup, vous m'attendez. Donc ça, on va laisser mijoter pendant une bonne... pendant ouais, bien une demi-heure. Il faut que la sauce elle cuise bien. Et ça sent... Ouais. Autant au goût, c'est pas... Mmh, pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez. Hop, on va laisser mijoter tranquillement. J'ai enlevé du feu qui était... Pardon.
c'est mon basilic qui se fait la malle. Vous voyez, confiance, mais complètement. Allez, deuxième tournée. Oui, et du coup, donc vous m'attendez, je vais mettre ça au congélateur. Et j'arrive. Je me dépêche. Hop là. Qui est lancé, donc Damshi, nous avons la glace qui est lancée, nous avons le plat qui est lancé, donc je vais mettre le sirop d'érable, attendez, on va mettre juste un petit peu de sucre dans la préparation, parce que sinon ça risque d'être, ouais, il est où? Voilà, qu'on ait un petit goût ASMR, mouche, mince, vous l'entendez la mouche, il y a la mouche? Mais grave, c'est pas une mouche, c'est une abeille, deuxième abeille, oh, au secours quoi. Ouais, oui. Donc désolé. Très bien pour se torcher directement à la piscine. Bah oui, tranquille. C'est quoi le gif galabru? C'est le Nord. Oh, le Nord. C'est pour Damchine du Nord. Mort de rire, le bug. Ouais, c'est clair. Hein. Mais c'est pour Damchine. Si c'est... Non, c'est une abeille, Bilout. Ouais, c'est clair. Merci pour le follow. Merci Noah. Noah 85e. Merci. Fallait la chercher. Bah oui. Bah ouais, non? Vous connaissez, c'est le Nord. Bah oui. Elle est bien la référence, non? Et en plus, Damien, je crois qu'il est même pas là. Alors, attendez. Écoute ça, ça va. C'est pas les talons. Non, c'était les tongs, bah loulou. ASMR tongs, pas grave. Vous avez aussi l'ASMR de mon ventre, parce que là, il a faim. Alors, on va, je mets 2 cuillères à soupe. Pas un petit bouillon quand même. Non, bah, je vais laisser, comme ça on aura vraiment le goût de la bière et comme ça je vous dirai si c'est vraiment bon ou pas. Ah si, il est là, Damchine. Il fait gris un peu à Saint-Orin. Ça va être sympa le bateau cet après-midi. Ouais, bah ça va, tranquille, tranquille, hein. Bon, il n'y a pas de bateau cet après-midi. Il y a encore du jardinage. Qui c'est, Damchine? Bilou. Ouais, t'as vu, ça y est, il est revenu là. Je faisais un tour dans la piscine. Oh, l'enfoiré. Ouais, à la piscine, qu'est-ce que ce serait bien. Ok, bon, écoutez, on continue. Du coup, on va partir sur notre cake guacamole. Donc, avec toujours avec de la DSP. On va essayer de retrouver le goût. Et là, du coup, bah, pour les préparations, je vous mettrai avec moi. Là, hop là, hop là. Ah, il y en a partout. Et on va éliminer le four. Donc, on va faire le cake et puis bah, le dessert aussi. Mais du coup, je me dis, ah, je suis en avance en fait. Allez. Donc, on va partir sur le cake guacamole. Si t'as faim, Maya, la Guinness, ça tient bien. Ouais, je sais, mais en fait, je sais pas si vous entendez, mon ventre il grogne en fait. Mais je pense que c'est parce que je déjeune trop tôt le matin, du coup. Et comme je fais 50 milliards de trucs, je cours dans tous les sens avant le stream. Voilà. J'ai la dalle au moment du stream. Voilà. Ça m'atteint pas, je suis trop lent. Fait insulter. Non, il s'est pas fait insulter. Mince. Non. Ah oui, mince, pardon, pardon, Damien. C'est gentil en fait quand je dis ça. Du coup, on fait un petit point vaisselle juste avant. Et je crois que. Hop. Là, nous avons une mouche, effectivement. Désolée pour le gros plan. J'en mets du basilic dans la tronche. Je crois que les mouches, elles n'aiment pas le basilic normalement. Voilà, elle est là. Hop là, tiens. Voilà. Voilà, et du coup, je vais retrouver d'autres plants basilic parce que c'est un truc naturel pour faire fuir les mouches. Voilà, j'ai pas trouvé. Donc, j'en ai qu'une et je me bats avec. Donc, du coup, la bière, c'est bon pour le ventre plat, je crois. Ouais, c'est clair. Et n'empêche, après, c'est. C'est dans les calories, hein. Ceux qui ont le ventre, c'est pas à cause de la bière, hein, c'est parce qu'ils en prennent trop.
Parce qu'ils grossissent trop par rapport à ce qu'ils ont besoin. C'est juste de la gêne. Mais je crois qu'il faut insister. C'est un vrai. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Fais comme moi, pète un bon coup. Non, mais gastro, toujours la classe. Et du coup, ça te dégonfle, c'est bon? C'est mes crins dormis, mi-petit quinquin, mi-petit pouchin, mi-gros ringin. C'est quoi? C'est ah, c'est une chanson? Ok, te fera du chagrin si tu dors point chaque matin, chaque demain. Ok, alors du coup là je... Ok, je suis pas... Je suis pas en dessous là. Ah, c'est Zebda. Oui, je connais en plus. Mais je connais plus tomber la chemise. Ok, petit pain sac terminé. Et du coup, nous passons à nos pesées. Alors, donc le cake guacamole. On y va. Comment je vais faire avec la bouche? Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Bon, bah écoute, Damchine, de toute façon, ça va être trop bon ce que je vais manger. Trop bien. C'est pompon, le lapin, c'est un peu pareil. Zebda, c'est Toulouse. Je sais pas, mais en tout cas, je connais la chanson. Ça, c'est le dimanche autour de l'église. Celle-là, je la connais pas, mais je connais Tomber la chemise. Tomber la chemise. C'est ma grand-mère, on était partis en vacances. C'était, ouais, on était partis en vacances en Bavière. Bon, je vous ai dit qu'elle est allemande. Et c'est là où on a découvert le schnapps hein, avec ma soeur et mon frère. Grâce à ma grand-mère. C'était juste avant le bac. Zelda, ouais, et donc du coup, en fait, pour réveiller mon frère qui avait le sommeil un peu compliqué, elle m'était tombée la chemise à fond. Elle mettait Zelda à fond. Ouais, grave. Ça peut être quête bon. Ouais, c'est de la bière, oui, c'est clair, t'as raison. Merci Doom pour l'insta. Merci. Du coup, donc on s'attaque au cake. Donc je suis venue avec mon petit moule de Barbie hein, de la maison. On avait fait le petit cake ici dans ce coin. Et donc là, ça va être quelques guacamole. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Ça va là. Alors, on va utiliser... Donc la texture, je vous avais dit du cake avec l'avocat, c'était juste une... C'était trop bien, c'était... Voilà, bref. Donc on va... Attendez, on va sortir un bol déjà. Et là, je vous mets avec moi. Hop. On va changer un petit peu de... Donc, pas de regain. Merci pour follow, moi. À moi. Moise DZ, merci. Ok, hop, allez, petit effet. Ok, donc on est parti. Donc là, on va faire. Donc on va écraser notre demi-avocat. J'espère qu'il est bon. Je l'ai pris depuis mercredi, donc il a, vous imaginez, il a fallu que j'essaye de me dire que dimanche il sera prêt. Alors, est-ce qu'il est prêt? Ouais, il est prêt. Oui, oui, oui. Cake, je peux te fournir, c'est un bon sponsor. Ok. Alors, on y va. Donc, on va juste mettre un demi. C'est Twitch friendly de ne pas mettre de pantalon. Ah, salut, pète fouf! Non, c'est 40 degrés dehors. Et tu sais, je suis une fille. Et attends, mais j'ai mis plein de fois des pantalons. Je passe ma vie en pantalon. Hop. Alors, on écrase l'avocat. Mais attendez, hein, parce que j'ai changé la tenue que j'avais avant. Hein. Avant, j'avais mini shorté, tu vois. Bonjour, ma base. La bière à quoi? À voir dans ce repas. Alors du coup, si tu veux prendre du cake à l'apéritif, faut que tu avec une DSP, tu peux l'accompagner avec une DSP. Du coup, nous, on va en mettre un petit peu dedans. Et pour le plat, en fait, ça va être de la Guinness. Donc elles sont là. Hop là.
Pour l'instant, voilà, c'est ça, je vous montre ça. Et quand tu es en robe, c'est même conseillé. Ah oui? D'accord, ok. Donc là, on va bien écraser. Perso, je suis en 4. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez être en 4 buts et tout. Moi, je peux même pas être. Ouais, en maillot, vous imaginez si je me mets en maillot pour faire de l'escrime. Mais ce serait trop bien, quoi. Donc, ouais, cette petite robe. Petite robe et petite jupette. L'âme d'une cuistot. Ah, merci, Mohamed. Ouais. Donc là, on écrase bien, vraiment, pour qu'on ait la texture, en fait. Qu'on n'ait plus du tout de trucs durs. Mais Mohamed, tu vas voir, après, c'est... Bonjour, Prichado. Salut, comment ça va? Elle est calbar. Donc, je pourrais pas faire de stream avec le titre Elle est calbar. Ouais, mais je suis juste ultra pudique. Même sous 40 degrés, je sors pas sans pull, pantalon. Ouais, donc, sans pantalon, tu mets pas de short? Et du coup, les gars, vous pouvez mettre des shorts. Mentir en bannière, c'était de toute beauté. Ah, repas assaisonné à la bière, car un viewer a demandé. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ouais, merci d'écoute, j'avais pas vu. Et donc, pourquoi un morceau de bois dans le trou du verre? Un morceau de bois dans le trou du verre. Alors, attends. Ok, short, t-shirt, que si je vais faire des courses vite fait, genre 5 minutes. D'accord, ok. Là, c'est un stream, pâte à modeler, plaid. Mais n'importe quoi, Gastro, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je mets que des shorties. Ah, les shorties. Je kiffe les shorties. Et par contre, il faut être aussi musclé. Donc, je sais pas si t'es musclé, mais il faut. Parce que là, du coup, il avait les fesses, vous savez, qui étaient un peu rebondies et tout. Ça fait beaucoup. C'était shorty. Du coup, donc là, on va mettre notre DSP. Ça va et toi, dernier jour de vacances au boulot? Ah, dernier jour de vacances. Ah, ouais, la reprise. Bon, mais tu reprends, c'est calme ou pas? Enfin, je sais pas ce que tu fais comme métier. Parce que là, du coup, on va tomber dans la semaine du 15 août. J'ai fait 3 séries de gainage. Ah, oui, ok. Donc, si t'as suivi le gainage avec moi hier? Bah, donc ça va. Le niveau il était bien là. C'est que t'as un bon niveau. La fille, quoi. Ok. Bon, j'ai toujours pas reçu mon banc de musculation, donc pour l'instant je vais. Ouais, je sais pas. Faut que je regarde où est-ce qu'il est. Elle rigole souvent quand même, elle a bu combien de bières? Ouais, moi, Adam. Notre pain. Justement, mon pain. Merci, Doum, pour le melon. Donc, on continue. Donc, dans notre cake, on va mettre notre farine. Du coup, on va prendre la farine des pauvres. Ouais, on va rester sur une bonne farine. On va se rajouter un petit peu des nutriments sympas. Costume 3 pièces. Bigfoot, ah, et tu fais quoi comme métier? Costume 3 pièces, oh, c'est pas mal. Donc on part sur 50 grammes, on va se faire un mini cake. C'est marrant, c'est quel ingrédient bleu et jaune t'as mis dans le bol? Il est beau ce vert. Oui, c'est vrai que les couleurs primaires ça fait du vert. Tu arrives au 4 points. Agent de production dans une entreprise de fruits. Ah oui, bah là c'est la période, ouais, tu m'étonnes. Oh, trop bien. J'adore les différents profils qu'il y a sur Twitch, c'est trop bien. Bon, bah écoute, profite de ta dernière journée, Fire Shadow. Ouais, ouais, avant la reprise. Ouais, du coup, la reprise, ça sera début. Non, c'est même pas début. Début septembre en physique. Et hop. Et fin août, hein? Fin août. Je sais pas du tout. Je crois que je fais pas du tout dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. On mélangera tout et puis ça sera. Ça ira. Voilà. Cuisine rapide et facile. Voilà. Hop, donc du coup on va prendre notre fouet. Et c'est. Ouais, la farine. Et tu sais, et franchement, et c'est. Bah, je l'ai fait, tu sais, pour le petit déjeuner mardi matin. Et du coup, c'était hyper bon. Enfin, en fait, c'était. Ah, il manque le citron vert. Donc il faut qu'on fasse vraiment. Oh, guacamole, guacamole. Et oui. Donc là, c'est goût guacamole, hein, le cake. Et on va mettre un petit peu de zeste. Hop. Et donc en fait la texture était géniale. Et donc je me suis dit qu'avec la DSP, ça irait super bien. Non. Arrêtez, il n'y a pas tout qui a été raté à l'ananas. Le poulet sauce aigre douce, c'était très bon. Ouais, fallait retourner le bol. Oui, c'est ça. Ok, donc là j'ai mis le jus d'un demi-citron. Je vais récupérer les zestes. J'aurais dû le faire avant. Bah, il est où mon truc?
Ah bah attendez, il faut que je sorte Valence. Bon bah du coup on va utiliser ça. Parce qu'en fait il est de l'autre côté. Bah, je vais utiliser ça pour rappeler. Tu nous fais de la pâte à sel. La pâte à sel j'en ai fait avec mes élèves, mais du coup là non, je fais pas de pâte à sel. Là je vais faire un cake. Cake guacamole. Et dans la guacamole, pour qu'on récupère le goût en fait de vraiment du guacamole, on va mettre des épices mexicaines. Bon, il y a un petit peu de tomates et d'oignons, mais là on va pas en mettre. Hop. Ok. Donc ça va là. Très bien. Et ben on va rajouter notre œuf et on sera bon. L'œuf, le levure chimique pour que ça monte un peu. Voilà. Bon, on n'a pas mis la DSP. Attendez, on va mettre la DSP. Il faut qu'on mette la DSP. L'autre genre, on est là. De quoi? J'ai pas compris. Petfouf. Genre, on est vraiment là, sérieusement. J'ai pas compris, Petfouf, du coup. Un sel de citron. je t'aime plus que tout. Bah oui, attendez, il manque la DSP. Ça doit aller dans le cake. En fait, je rigolais, mais c'était bon. Et les épices. Lis la com de Fire Shadow et pose-toi la bonne question, mort de rire. Alors, attends, il m'a dit quoi? Elle a fait notre goûter. Ah, elle a fait notre goûter. Oui, c'est le cake. Et donc, du coup, toi, Petrouf, t'as dit notre. Ah, oui. Oui, ça y est, j'ai compris. Voilà, donc là, on va bien côter parce que du coup, voilà, il faut que la texture soit quand même plutôt liquide. Et nous rajoutons la DSP. Attention, et du coup, si je vois que c'est trop liquide, il faudra peut-être que je mette un peu plus de farine. C'est le nom. C'est le nom. Alors, attendez, on va rajouter 10 centilitres, on va y aller. Voilà. Et du coup, je vais la mettre au frais parce que du coup, j'aime bien la DSP. Voilà, je la mets au frais pour la faire au frais. Voilà. Donc, il en reste un petit peu, très bien. Et la bière. ça sera un cake ou encore un demi-cake? Ça sera un demi-cake. Demi-cake. Mais attendez, parce que on va compter les calories, hein, si vous voulez, il y a quand même des calories. Hein. Donc si je fais un grand cake, tout ça pour moi, ça fait beaucoup. Mais du coup, en plus, je vais le garder pour ce soir, pour le voisin. Donc il vient avec sa fille et son ami. Voilà. Je m'étais dit que depuis le temps. Ouais, donc là, on rajoute un peu de levure. Hop. T'as déjà vu tout ça? Non. Ouais, donc là, c'est un peu trop liquide. Je vais rajouter une cuillère à soupe de farine. Je pars sur 70 grammes, un truc comme ça. Ouais. Non, j'ai pas tout vu, Fire Shadow. Il y a une partie qui est partie dans la glace. On a fait une glace à la DSP. Ça te rappelle des trop bons souvenirs, mais demi-cake. Mais oui. Mais oui, c'est là, non. Ah, regardez, ça commence à gonfler. Donc, du coup, on sera bon. Je mets juste encore une petite cuillère. Bon, ouais.
elle est là. Et fait la piscine. Arrête d'Amchin, la chance. Oh là là, la chance. Et du coup, il nous fait un petit peu de gras. Bon, on l'a déjà avec l'avocat, mais on va rajouter. Oui, non, on va pas rajouter. Je vais mettre de l'huile de coco. Allez, c'est parti. Donc, on va rajouter nos épices mexicaines. Comme ça, on aura vraiment un guacamole. T'as déjà faim? Yes. Désolée. Allez, donc, du coup, ben, mange. C'est clair. Je mangerai un petit peu, moi, après. Ouais, j'ai marqué une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, ça va faire peut-être beaucoup. Bah, écoute, on va faire juste une cuillère à soupe. Excellent. Un live sans pantalon. Ouais, arrête, c'est trop chaud, hein, j'en peux plus. Ok. Bah voilà. C'est parti. Est-ce que j'en rajoute pas encore un peu? Je vais en rajouter encore un peu, de toute façon, les épices, c'est toujours bon. Voilà. C'est dans la piscine pour pouvoir garder ton téléphone. Oh, c'est trop dur la vie. Oh là là, trop trop dur. Hein. Ok, bon bah écoutez, c'est parti. Donc on va faire bah, le demi-cake, hein, désolé. Par contre, il faut qu'il reste bien dans un seul endroit. Ah, oh, la dernière fois, il se tenait un peu plus. Alors attendez. Parce que sinon, il va être tout fin, donc attendez, on va le bloquer. Il faut que je le bloque avec quelque chose. Ouais, il se tenait un petit peu plus, donc du coup, j'espère que ça va être bon. On l'avait bloqué avec quelque chose la dernière fois? Je suis dans la petite piscine. Tu patauges? Tu fais de la pataugeoire? Ouais, bah oui, bah oui. Bah, fais-toi plaisir. Trop bien. Trop, trop bien. Du coup, écoute, on va bloquer un petit peu la préparation pour que notre cake, il reste... Bah non, ça va pas marcher, en fait. Non, ça marche pas. Je vais mettre ça peut-être. Ah, parce qu'il est en train de se barrer là. Hop là. Donc c'est la piscine. Hein. Tu m'étonnes. Pourquoi avoir une piscine? Ok. Et donc du coup, je suis pas sûre qu'on ait assez de goût de la DSP. Dans le doute, faut en rajouter. Ouais, je suis pas sûre. En fait, ça va devenir trop liquide la préparation. Voilà, attendez, je repousse le cake. Voilà, il faut qu'il reste comme ça. Et du coup, je le mets direct. Allez, figo. Ok, bon bah écoutez, c'est parti, en tout cas le cake est parti, on va voir ce que ça donne. Et puis bah écoutez, je vous récupère, hop là, je vous récupère, c'est parti, on va ranger, et après on va passer, bonjour Strakune, coucou, comment ça va? J'ai mon estomac qui barbouille, ils n'ont pas arrêté la cuisine, excellent. Alors attends, et donc c'est la piscine en coquillage bleu. J'ai touché le fond de la piscine. Ah, celle-là, je la connais, Gastro. Comment elle s'appelle? Voilà, mince, je sais plus comment elle chante. Mais j'ai exactement, j'ai sa voix dans la tête. Merci, Gastro. J'espère que ça va pas rester toute la journée, par contre. Comme d'habitude, incroyable ce soir. Merci, Strike. Merci, Strakune. Je peux savoir pourquoi? Donc le cake est fait, et franchement hyper efficace, hein, je veux pas dire, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais là on est dans l'efficacité, l'efficacité. Hein. On va mettre 20 minutes. Ok Google, peux-tu me mettre le minuteur sur 20 minutes? Compris, un minuteur de 20 minutes. Voilà. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà, donc c'est parti. Nous on va juste manger un peu et après on fera le dessert. Le choco que vous connaissez. Donc Damchin, le dessert choco avec du skir et de la DSP. Ouais, on va voir ce que ça donne. Bon, je reste sur ma recette. Enfin, peut-être que je fasse des petites modifs quand même. Ouais, je verrai la texture en fait. Mais t'es efficace pour arriver vite au moment où tu finis les canettes. Ouais, c'est clair. Ouais, je vais être au moment de l'apéritif. T'as les cheveux assortis avec la robe. Ouais, ils sont noirs, mais ouais, ils sont noirs. Enfin, un petit peu. J'essaie de les éclaircir un petit peu avec le soleil. Là, ils ont un peu éclairci. Je suis contente. Ouais, merci Bigfoot. Ouais, c'est Isabelle Adjani. Ouais, c'est ça. Ok, exact.
J'ai touché le fond de la piscine. Et en plus, j'aime bien cette chanson. Alors, petit pain de sel. Mais je crois qu'il fallait de l'huile. Bon, on verra. Tant pis, au moins s'il n'y a pas d'huile. Parce que normalement, pour faire un cake, il faut de l'huile. Et là, j'en ai pas mis. Pourtant, j'ai marqué sur mes ingrédients. Bon, écoute, on verra. Hop. Ouais, il y aura du skier avec de la Guinness. Grave. Donc, allez, je sors de l'eau pour commander une petite bière. Ouais, vas-y, vas-y. Excellent. Trop bien. Bon, du coup, là, je crois qu'en octobre, il y a toujours un regard pour partir en vacances. Avec une piscine. Voilà. Et on va regarder notre... Parce qu'il faudrait que je le retourne en fait, notre filet. Très bien. Donc le petit pain vaisselle est terminé. On va prendre un bouchon. Et t'as pas le droit d'éclaircir, j'ai vu ça dans une loi que j'ai signée. Non mais j'éclaircis pas, tu sais, je mets juste au soleil en fait, du coup ça s'éclaircit un peu, mais sinon je fais rien d'autre. Hein. Et donc des alcools quoi. Mais avec des alcooliques ici. Mais non, qui se dit t'inquiète. Tu m'étonnes, c'est ce qu'on aurait l'impression quand on passe sur le stream quoi. C'est clair. Alors attendez, du coup il me fait une cuillère en bois. Ah, tu m'étonnes. Bon bah écoutez, ça sent hyper bon. Voilà, donc pour l'instant ça ressemble à ça. Du coup ça fait une demi-heure hein, que ça macère. On va laisser encore un petit peu réduire, les carottes sont pas cuites. Voilà. Et ça a l'air pas mal du tout. Hein. Ok. Donc c'est, t'inquiète, il y a du champomir. Bibi du jus de fruits bordel. Kiziki. Ouais, tu m'étonnes. Bonjour Netty, ça va? Pour partir dans l'avion. Oh là là, trop bien. Oh là là. Partir avec une piscine, ça va pas être facile dans l'avion en bagage. Non, c'est clair. Bah surtout profite, hein. Ouais, grave. Sans alcool, la fête est plus folle. Mister Cocktail, mais grave. C'est incroyable, regardez ça, son épaule, on voit tout le mécanisme du muscle. Chez moi, on voit rien. Ouais, strike. Bah écoute. Du coup, ouais, c'est les petits, ouais, c'est les deltoïdes plus élevés que mon ami en bordelais. Ouais, hop. Bah, avant, on voyait plus le biceps. Du coup, comme je... Bon, il faudrait que là, je recommence à bien travailler. Chez moi, on voit rien de trop. Normalement, vous n'avez pas de cellulite, les mecs. Hein. Vous avez de la chance pour ça. Hein. Ah, merci Fire Shadow. On sait plus... attends, on sait plus sur l'anagenèse. C'est quoi l'anagenèse, Netty Netty? Et j'ai pas une... Non, Balou, j'ai pas. Cocotte en fonte. Et du coup, j'ai vu que c'était meilleur, en fait, vraiment pour la cuisson des... Bref. Ouais, et j'ai pas du tout. Non. Et il y a même mes casseroles. Il va falloir que j'achète mes casseroles en inox. Donc, j'ai vu la différence entre en aluminium, inox, je sais pas trop quoi. Je savais pas qu'il y avait des casseroles qui existaient et des poêles, vous savez. Une pour cuire le poisson, une pour les légumes, une pour la viande. Je savais pas du tout. Ouais, un truc de fou. Mais ouais, dans le truc en fond, je sais pas. Est un terme popularisé par Bernard Manche et correspond à l'évolution temporelle et graduée d'une lignée unique qui se transforme progressivement pour donner naissance à une nouvelle espèce sans qu'il y ait ramification. Donc attends, qu'est-ce que t'as dit, Strike? Donc toi, du coup, hop. Strike. Donc c'est Netty Netty qui a dit ça, alors on n'en sait plus sur la anagenèse. Ok, pas mal, Netty Netty. Ah, c'est rien à voir. Bon, mince. Important le ventre pour poser sa canette. Excellent. T'es sérieux, t'imprimes rien? Non, alors du coup, moi je veux bien, je sais pas. Il est pas énorme, mais c'est graisseux. Ça va, tu sais, si c'est la graisse qui bouge et tout, ça va, c'est la bonne graisse. Par contre, si le ventre est dur comme du béton, c'est pas bon. Voilà, si c'est le petit bourrelet, c'est bon. Voilà. Oui, qui gaspille a toujours raison. C'est clair. Donc du coup, ouais, tu peux nous éclairer ou pas? Ah, ça y est, ça commence. Qui? C'est qui? Qui a banni Strike? Ouais, c'est vrai que c'était le petit jeu au début du stream. Au début. C'était marrant, Strike. Mais ça se fait app. Ouais, grave. Qui l'a fait? Du coup, on sait ce que tu as regardé.
son ébullition. Et ben j'ai que de la bonne graisse, alors ça me rassure. Oui, voilà, c'est ça exactement qui se dit. Ouais, la mauvaise graisse, vous savez, c'est qui merci. Coucou Yamino, comment ça va? Merci pour le follow, Louise, Louise 13, merci. Merci, merci. Je suis gentille à la base. Agénésie. Ok, donc là, du coup. Ouais, coucou Yamino, yes. Donc, Ricky Castro, c'est la vraie vérité, pas comme sur Facebook ou Twitter. Ok, bah allez, je m'active pour le reste. Notre cake, il est en. Donc, nous allons passer au gâteau au chocolat. On a découvert ça avec Strike sur le stream, une personne qui a ça. Ah, d'accord. Écoutez, et du coup, je peux regarder sur mon téléphone ce que c'est, Netty Netty. Parce que du coup, je sais toujours pas. Pourquoi faire des abdos, tu comptais pas? Non. De toute façon, dites-vous que les abdos, si, voilà, il faut être en déficit calorique. Si vous n'êtes pas en déficit calorique, vos abdos, vous ne les verrez jamais. Hein. C'est le, et il faut les travailler aussi un petit peu pour que ça gonfle, comme ça, du coup, ça se voit. C'est les membres qui ne se développent pas pendant la grossesse. Bah pendant la grossesse, c'est quoi? C'est le ventre qui se développe? Ah, pour les enfants? Quoi? Mais qui est bien? Ouais, c'est clair. Qui m'offre? Ouais, oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais, ça a été des ouf là, ils m'ont fait des trucs de fou. Il n'y a pas que les muscles qui intéressent. Non, je suis d'accord. Après, sur les mecs trop musclés et tout, je vous ai dit, hein, c'est pas. D'accord, ok. Bah écoute, je connaissais pas. L'anagénèse. Du coup, je connais pas du tout. Ouais, je suis d'accord, Petfouf, exactement. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, anagénèse. Oui, donc c'est bon en fait, c'est ce qu'il avait marqué, Wiki Gastro. Ok, bon bah écoutez, hé la bière, oui, on revient à hé la bière, le chocolat. Agénésie, oui, d'accord, ok, mince, excuse-moi, j'ai retenu Wiki Gastro. Agénésie. Agénésie, l'absence de formation d'un organe, c'est un trouble. D'accord, donc c'est juste, en fait, c'est un organe qui n'a pas été développé. Donc les dents, ah, et ça affecte la plupart du temps les dents. Ok. Bon, bah très bien, bah écoutez, parfait. Je sais ce que c'est que maintenant. Je sais ce que c'est maintenant. Ok. Et la bière. Donc nous revenons à. Donc nous devons terminer notre Guinness. Donc nous allons passer au gâteau. Mais j'ai dû avoir une agénésie du cerveau. Ça a pas l'air bipoud, hein. Ça a pas l'air. Une atrophie du membre inférieur. Vous êtes. Non, je rigole. Jamais bu, jamais fumé, consommé avec modération. Je sais pas c'est qui, on m'a dit c'est un bon compagnon. Ah ouais, rien de tout ça. Ah là là. Oui, consommons avec modération, je suis complètement d'accord. Ouais, donc je pense que normalement, c'est très gouné, là, maintenant, il sait ce que c'est. Hein. La jambe de bois, c'est gay. Vous êtes trop drôle, franchement, vous êtes trop drôle. Alors, attendez. Non mais franchement, non mais vous êtes... Ok, voilà, en fait, du coup, ça m'a l'air pas mal et je pense qu'on va arrêter la cuisson parce qu'en plus, vous savez, il faut pas qu'il soit trop cuit. Hop. Le filet mignon, ouais, il faut pas qu'il soit trop cuit. Donc du coup, j'espère qu'il va exploser à l'intérieur. On coupera tout à l'heure, je couperai un petit morceau, on verra. Et là, on a une belle sauce. Ah là là. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les carottes. Bon, c'est pas grave, elles sont un peu croquantes. J'aurais dû les faire plus petites. Et bon, on a une belle sauce et tout. Franchement, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Ok. Je vous montre ça après, de toute façon. Donc, on part pour le gâteau. Ok, je parlais pas de l'argent. Oui, mais Damsine, on avait compris que tu parlais pas de l'argent. Consommons, je suis d'accord. Alors, on va rajouter. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Parce que là, du coup, il faut qu'on finisse notre Guinness. Pourquoi il y a quoi d'autre en bas? Ok, allez go. Bah du coup j'ai gardé mon demi-avocat, on va le mettre là. Donc pour le dessert, donc on avait fait notre gâteau choco protéiné. Donc première fois j'ai fait avec la farine de châtaigne, j'ai essayé avec la farine de poudre, ça marche, c'est nickel. Donc du coup le graissage de boule takoyaki. Non mais
Mais vous êtes en forme ou quoi? Une 8, 6, attends, what the fuck? Une 8 sur 6? C'est quoi ça? Alors, du coup, on va utiliser notre skier, notre bébé. Notre gentil bébé. Voilà. C'est une marque. Ah, d'accord, ok. Ok, merci, Pet Pouf. Gâche pas, hein? Ouais. Non, 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 t'inquiète. Non, vous le connaissez, hein, je vais arrêter. Hein. Donc, dans ce petit pot magique, nous avons 14 grammes de protéines et 0% de matière grasse. C'est génial. 1, 8, 6, ok. C'est la bière des clodos et des pains cachiens. Je connais pas. Je connais pas. Et Damchine, il a pas l'air d'être content. C'est le skir, ça. Ouais, complètement, Netinetti. Et donc, du coup, en fait. Hop. Donc comme tu sais, bah, tout le temps en fait un maximum de protéines, du coup en fait on en rajoute dans le gâteau. Et puis ça permet aussi de, tu sais, de pas mettre de beurre, de choses comme ça, donc du coup il remplace pas mal dans le gâteau. Et la texture elle est juste, mais juste manger nature comme ça, hein. Regarde, attends je te montre la texture, voilà, un peu mélangée. Et du coup ça fait un truc onctueux et tout, c'est trop bon, avec du miel c'est trop bon. Ouais, du skir, grave. Bon là j'ai vu qu'il y en a qui commençaient à dire oui le skir est vachement à la mode, manger du fromage blanc. Mais du coup en fait il y a vraiment une différence de texture. Après j'avoue, hein, y a une différence de prix, ça c'est clair. Moi j'en achète, là j'ai acheté un paquet cette semaine. Ouais, elle est peut-être deux paquets. Mais bon voilà, c'est ce petit dessert protéiné, nickel. Et en plus dans le fromage, ouais le fromage blanc la texture est différente et puis le goût il est pas du tout pareil. Donc on peut pas comparer, ça se compare pas. On ne compare pas. Hop là, non, ma poubelle elle est là. Voilà. Donc dans notre dessert au chocolat, déjà on va mettre notre chocolat à fondre. Donc bah, vous avez pas de chance. Hein. On va réavoir nos petits points chocolat noir. Mettez des stocks de skir. Non, c'est, non, Kizuki, du coup en fait là, là j'avais deux pots. Donc on avait cuisiné un pot bah, l'autre jour en fait. Et bah, quand on a fait l'ananas, là du coup je l'ai pour le dessert. Et après j'ai un gros pot. Tu sais que je prends pour le petit déjeuner. Changer un petit peu. Avec les 47 minutes de découpage, nanana, 10 minutes pour vider un peu. C'est clair. Ouais, t'as vu, Petou, c'est pas mal, hein. Donc le skir, merci Mickey Gastro. Merci, merci. C'est pas mal, mais pas ouf. Ouais, alors après, bah, après, c'est moi, c'est au niveau de la texture, en fait, la texture et tout, c'est. Voilà, je kiffe. Et comparé à un yaourt, tu sais, c'est beaucoup plus bah, liquide. Donc du coup, ça me. Voilà, en tout cas, voilà. Et donc du coup, je peux l'utiliser dans mes pâtisseries, dans mes desserts et tout. Donc c'est parfait, c'est génial. Et on a même fait, vous savez, le petit lingot avec skir miel là. C'était trop bon aussi. Voilà. Après, je comprends que tout le monde n'aime pas trop. Hein. Donc pas de soucis. Ouais, Netinetti, ouais. Du coup, donc notre petit chocolat noir. 95%. Donc nous sommes à 95% de chocolat. Du coup, j'ai marqué sur la recette quand j'ai publié ce matin sur Instagram, si vous voulez que ce soit un peu plus sucré, parce que là en fait vous avez moins de sucre, plus vous montez en pourcentage et moins il y a de sucre. Du coup, soit vous rajoutez un petit peu plus de sucre, ou alors vous prenez un chocolat qui est un petit peu moins pourcenté en chocolat noir. Passe une bonne journée. Oui, ça marche. Le skir, c'est la Guinness des fromages blancs. Oui. Ouais, ouais, alors c'est le. Comment dire? Mais c'est pour les vilains de jouer au poker. Attends. Ah, moi je jouais au poker quand j'étais plus jeune. Pauvre et fou, les mots sont durs. Damshin, ah ouais, les titis, pauvre fou. Ah, donc Damshin aussi, ouais, t'as tu kiffes le skir, ouais. Donc du coup, attendez. À qui tu. Fire Shadow, tu. Ouais, bah, bonne journée à toi. Ouais, j'ai pas compris. Mettez du crunch. Le crunch. La tablette de chocolat? Je suis minimaliste. Ok. Pourquoi mettre du crunch quand on a de la bière? Ouais. Allez. Du coup, voilà. Donc, on va faire fondre le chocolat. On va le mettre dans le gâteau. Hop. Voilà. Et donc, du coup, en fait, le pourcentage, bah, je le prends élevé. Comme ça, en fait, on a plus de matière grasse et moins de sucre. Hop. Et c'est des bonnes matières grasses, du coup. Voilà. Parti. Donc je vais faire 15 allers-retours hein, parce que mon micro est vachement efficace. Il y a un stop ici. Je crois que je. Éhé la bière. Ouais, éhé la bière. Alors, du coup, là je crois que. Ouais, les mouches commencent à me gonfler sérieux. Du coup, nous passons pour la préparation ensemble. Donc, on a notre skir.
notre chocolat noir. Oui, voilà, c'est ça, ça faisait longtemps. Donc on va mettre de la Guinness, on va partir sur du sucre de coco. Donc sucre de coco pour remplacer le sucre blanc, sinon vous pouvez essayer sirop d'érable aussi, mais du coup moi je vais rester avec celui-là. Et on va essayer avec la farine de pois chiche, donc celle-ci elle est protéinée aussi. Voilà. Ouais, donc farine des pots, vous allez avoir à peu près 10-12% de protéines. Et là, du coup, on est à. Pourquoi 10-12? Normalement, c'est 20. Voilà. Farine de pois chiche. Merci pour follow, Nyongdoussi. C'est Laure. Ok, bah écoutez, on va profiter. Donc, farine de pois chiche, normalement, vous pouvez y aller, c'est 20 grammes. Hein. Les noix de coco et les singes esclaves, rip. Bonjour, Nyongdoussi. Pouet, pouet. Alors, attendez, là, je remonte le chat. ASMR, oui, mais tu fais pas comme Mario P dans le bain. Le bain Mario au chocolat, ma loulou? Non, ça je le fais quand je suis de l'autre côté. Mais du coup, tu sais que tu peux faire fondre le chocolat et tu le crames pas. En fait. En fait, faut que tu le mettes sur micro-ondes, tu sais, à 450 watts. Et tu y vas par des petites 30 secondes par 30 secondes. Et là, du coup, je vais le laisser. Il va fondre. Voilà, et du coup comme ça on crame pas du tout le chocolat. Ouais, donc j'ai testé le sucre coco dans la tête, je trouve que ça donne un goût bizarre. Ouais, alors le manger comme ça, ouais j'avoue, hein. J'avoue, je suis d'accord. Après tu sais, il a un pouvoir qui est pas très sucrant, donc du coup t'as pas l'impression de, ouais, d'avoir vraiment du sucre. Hein. Rip les étoiles de mer. Et donc du coup j'utilise beaucoup plus en pâtisserie, par exemple bah, dans un café j'irais pas mettre ça, en fait je mets pas ça. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, Kiki. Et donc si t'es au début de ces streams big avec le 1, de quoi on parlait? Attention, ok. Alors attendez. Ok, comment ça s'appelait ça de nouveau, son jeu avec les cartes et les dés? Ah, c'était le jeu Isaac. C'est ça? Ouais, avec le 1. Ah oui, le 1, c'est Isaac. Il est trop bien ce jeu, il est juste trop bien. Et j'aime trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Mais c'est qui Valérie? Alors attendez. C'est qui Valérie? C'est Isaac. Ok, du coup c'est bon, c'est noté. Les notes coco et les singes. Alors attends, super. Ok. Voilà, oui c'est ça, exactement. C'était avec le 1 qui arrêtait pas de se répéter. Ah pardon, désolé, vous avez compris sur ma tignasse. On peut venir et dire rip de ce qu'on voit. Moi j'en vois assez clair, oui, je suis d'accord. Je viens de voir. Ok, alors écoutez, on part sur 20 grammes de farine de pois chiche. Ok. On va reprendre. Hop. On va remélanger. Ah, Valérie Pécresse. D'accord, ok. Le jeu avec les bourbois et de 20 pieds. Attends, ça c'est du Mikado, non? Ah, c'est une musique. Merci, Baloulou. Ah, je comprends rien. Mademoiselle Valérie, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Ok, d'accord, merci les gars, je suis désolée. Ma fille qui comprend jamais rien, quoi. Ok, bon écoutez, on y va, on mélange. Ok, du coup on part sur 20 grammes aussi de sucre de coco. Donc là ça va faire deux desserts, hein, c'est pas mal. Hein. Valérie Pécresse, c'est ta meuf. C'est vrai ça? Oh, alors 20 grammes toujours. Ok, très bien. Ah, on va avoir notre cake. Yes. C'est pas faux. Alors attends. Le jeu avec les bouts de bois de... Bon, voilà, hop là. Ok, donc du coup Kin, enfin voyons, Kin V. Oh là là, le niveau. Kin V. Ouais, je connais pas Kin V non plus. Je suis nulle. Ah ouais, gros niveau musical. Ouais, c'est clair. Isabelle Adjani, ça je connais. Ouais, voilà. Donc là, ça, ouais, ça vous donne des informations sur mon âge. Alors, nous allons. Bah écoutez, je vous refais passer avec moi. Et du coup, comme ça, en fait, on va regarder le cake, à quoi il ressemble et surtout voir s'il est cuit. Donc j'ai mis 20 minutes. Le pire, quand c'est sorti, j'étais avec une Valérie. Ah. Alors.
Eh bien, écoutez, ça sent hyper bon. Oh là là. Yes. Je vous montre le joli cake. Du coup, en fait, j'ai mis ça pour le bloquer. Bah écoutez, il est monté. Par contre, j'ai juste vérifié s'il est cuit. Sinon, on va le laisser encore un peu. Ouais, alors encore 3-4 minutes. Ok, Google. Peux-tu me mettre le minuteur sur 5 minutes? Ok, un minuteur de 5 minutes. Ok, c'est parti. Et c'est parti. Voilà, il n'y a plus de risque de cramage et tout, c'est trop bien. Bonjour Miyazaki. Ouais, comment ça va? Et la baisse cuisinière. Ouais, merci, c'est gentil. Moi, j'ai des trucs de la piscine dans ma tête. Merci. Merci, Castro. T'es sortie avec une Monique, hein? Je devrais faire une chaîne YouTube. Non, non. Chaîne YouTube? Ouais, je ne sais même pas. Non, je mets mes vidéos sur YouTube, mais c'est vrai que... Bah, loulou, je suis désolée. Oui, c'est vrai, j'ai dit 3-4 minutes, après j'ai dit 5. Ouais, c'est plus facile, 5 minutes, voilà. Hop là. Ouais, YouTube, je ne sais pas si ça serait... ça intéresserait des... C'est des jeunes, non, sur YouTube? Pardon, excusez-moi. Pardon, je n'ai pas continué. Ok. Donc il la tienne. Ouais, je connais. Donc là, du coup, en fait, je vais remettre un petit peu 30 secondes, allez, à fondre. Et on sera au niveau du chocolat. Je vais regarder si j'ai. Bah, à chaque fois que je viens, tu regardes tout le temps, c'est cool. Ah, merci, c'est gentil, Miyazaki. Ouais, j'essaye un max. Enfin, j'essaye un max. En fait, en plus, je peux te dire que c'est un peu naturel. Mais tu sais, ça fait un peu passer la fille quand, tu sais, quand on ne connaît pas, c'est la fille qui est en train de rire, tu vois, la fille un peu, la pauvre débile, quoi. Moi, ça me dérange pas. Ok. Si c'est trop cuit, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est ça, exactement, Valilou, t'as trouvé. Exactement, ça sera la faute du four. Et ça sera la faute, tu sais, de, bah, soit du minuteur, soit du four, hein. C'est sorti du cœur. Ah mince, Kizuki, c'est quoi le mal effet? Excuse-moi. Mais non, vous n'êtes pas des vieux. En plus, c'est pas vrai parce qu'il y a vraiment des jeunes en plus sur Twitch et tout. Non, c'est que bah, le format YouTube, déjà, je connais pas. En fait, je pense vraiment que je ne connais pas. Et il y a YouCook que vous m'avez fait découvrir. Du coup, lui, j'ai vu qu'il avait des vidéos YouTube. Mais c'est vachement professionnel, je trouve, en fait. Et YouTube, ouais, alors que là, en fait, je suis à la maison. Et si ça devient plus professionnel, du coup, ça veut dire je pense qu'il faut que j'ai une belle cuisine. Enfin voilà, si je veux attirer les gens sur YouTube, je pense que. Bah, il y a un peu le paraître qui compte, quoi. Non, je sais pas ce que vous en pensez, hein, je connais pas, mais c'est un peu ce que j'ai dans. Ce que je pense, en fait. Ouais, j'en ai fait une. Miyazaki, j'ai fait une glace à la DSP. On va voir tout à l'heure si ça a marché. Oui. Allez, tournée générale, ouais, grave. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on m'attrapait, je préfère une tournée générale, hein. Oui, je sais qu'ils étaient. Ouais, et en plus de descendre, hein, Sagittaire. Ouais, je sais. ok, donc du coup. Non. Si, là, c'est pro, mais pro à la maison, quoi. Non. Big foot. Hein. Ouais, c'est pro à la maison, quoi. Mais non. Non, mais alors je me suis mal exprimée, alors attendez. Du coup. Il faut que j'essaie de rattraper ma bêtise alors. J'ai dit une bêtise. Non, et donc du coup, YouCook, lui, c'est vachement. Ouais, c'est vachement classe, quoi, sa petite cuisine et tout. Moi, vous avez vu, c'est la cuisine de campagne, quoi. Hop. Avec les shorties, avec les bruits. Là, vous avez une mouche. Pro à la maison, nouveau concept. Oui, voilà, c'est ça. Et YouTube, il y a des lives? Ouais, je sais pas. Ah, merci, Maya, tu me sens. La digue du. En revenant de Nantes à Montaigu, la digue. Ah, je connais pas. Capricorne, meilleur signe, cherchez pas. Même si je suis ascendant. Ah bah tu vois, on retrouve un peu de Sagittaire. Donc Capricorne, c'est quoi? C'est juste avant ouais, je crois que c'est avant Sagittaire, c'est ça. Donc novembre. T'es une chèvre. Ils sont où les commis? Ouais, cuisine pro égale commis, exactement. Plus un meilleur. Ah, c'est janvier, non, c'est le mois d'après. Ok, d'accord, donc c'est janvier, pardon. Du coup, on y va pour mettre notre DSP. Alors, la texture, en fait, elle est plutôt bien. Voilà, donc on a ça comme texture. On va mettre la DSP, je vais en mettre petit à petit. Et par contre, on va juste mesurer, parce que si c'est bon, quand même, il faut que je vous le dise. Si vous voulez la refaire, on va mettre 10 centilitres pour l'instant. Voilà. Et peut-être que je rallongerai avec un petit peu de farine. Du coup, donc là, on est parti, on met la DSP dans notre gâteau au chocolat.
Ouais, comme on a rajouté un. Ça sent bon. Ça sent bon. Le chocolat, il a des spits. Bon, bah là, écoutez, la texture, en fait, ça ressemble un peu mousse au chocolat, en fait. C'est trop bien. Ok, donc on re-regarde notre cake. Vous avez vu, hein, là, on craint plus rien. Hein. Franchement, c'est trop bien. Alors, on va pour le cake. Alors, 25 minutes. Après des cakes, normalement, généralement, il faut 50 minutes. Mais là, comme il est petit, je m'étais dit un petit peu moins. Allez, encore. Ok, Google? Peux-tu me mettre un minuteur sur 2 minutes? 2 minutes. Ouais, voilà. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà, très bien. C'est Capricorne, donc c'est lié aux personnes nées entre le 22 et le 20 janvier. Ok, merci Wiki Gastro. Et dans Gâteau Choco, ça devait pas. Si, si, je viens de la mettre, la Guinness. Ouais, c'est la Guinness, ça sent trop bon. Ça sent trop. Je me suis plantée? Non, j'ai dit 2 minutes. Non, je me suis pas plantée. Ouais, voilà, voilà. Alors, attendez. Regardez la texture, c'est fou. Hein. Et du coup, en fait, je pense que si on avait mis la farine de coco. En fait, ça peut être un dessert glacé, enfin un dessert que je me offrais. Un dessert choco glacé, en fait. Oh là là. Mais là, comme on a mis la farine de pois chiche, du coup, il faut le faire cuire. Mais farine de coco, vous n'avez pas besoin de la faire cuire. Et du coup, j'ai trop envie de manger. Ça ressemble trop à une mousse de chocolat. Non, ça, Miyazaki, ça va être le gâteau choco. Gâteau choco protéiné avec de la Guinness. Ouais, j'ai trouvé. C'est trop bien. Ça ressemble, ouais, ça ressemble vraiment à une mousse de chocolat. Hein. Vraiment. Et eh bien écoutez, donc je note parce que du coup, je suis désolée. Parce que du coup, ça pourrait être un dessert sympa. Si c'est un gâteau glacé avec ouais, farine de coco et la bière. Et il va manquer, bah tiens, je vais voir qu'il manque un ingrédient. Un plat, on va le rajouter. Heureusement, sinon le gâteau il serait pas monté. Mais c'est trop cool des gâteaux et glaces. Ouais, c'est clair. Bah oui, mais bah, là, du coup, c'est Damshin qui m'a mis le challenge. Attends, j'ai le whisky maintenant qui arrive. Donc whisky aussi, il va falloir que je trouve une petite. Il va falloir que je trouve un dessert. Hein. Et le whisky, il faut que je sache avec quoi ça s'accorde bien. Comme j'aime pas du tout ça, ça va être plus compliqué. Ouais, regardez la texture et tout. Franchement, c'est trop bien. Alors attendez, je vais chercher un stylo. C'est Paulette Maya. Quoi? C'est Paulette Maya. Donc on est sur 10 centilitres. Ouais, je pense que même 5 centilitres. Allez, on met les 10. Voilà. On va regarder notre cake. Et donc le cake Miyazaki, il est à la DSP. C'est le cake à la DSP. Guacamole en fait. Guacamole. Goût guacamole. On a mis de l'avocat dedans. Alors attendez. Est-ce qu'on est bon? Eh ben écoutez, on est bon. Très bien. On va laisser le four pour le gâteau. Et après on démoulera ensemble. Je vais mettre ça derrière. Et je vais. Bon tant pis, je vais pas chercher de ciseaux. Ah là là. Donc du coup c'est devenu un peu trop liquide, on va rajouter, c'est ce que je pensais. Donc du coup on va rajouter une cuillère à soupe de farine. Ceux qui ont la ref, non. Le film Paulette, c'est une personne âgée qui fait des spice cakes. D'accord, ok. Non, moi c'est pas Paulette. Ouais, du coup, bah là en fait comme on a mis les 10 centilitres, je suis désolée, j'ai cherché un stylo. Je trouve besoin des trucs. Mais la texture de mousse au chocolat avec 5 centilitres. Allez, donc du coup, il faut que je note. Donc 5 centilitres, c'était la texture mousse au choco. Mousse choco. Et 10 centilitres, il faudra que je rajoute de la farine. 10 centilitres, je vais rajouter 10 grammes de farine pour l'instant. Voilà. Et on avait dit à la place de la farine. Donc la farine classique, essayez avec de la farine de coco pour faire un dessert glacé. Farine coco. Ouais, c'est la seule farine qui n'a pas besoin d'être cuite. Farine coco pour faire un dessert glacé. Voilà. Dessert glacé. Voilà. C'est le thé. Ok, il est l'heure. Et la bière. Ouais, pour démouler, ouais, c'est ça. Vas-y, démoule-moi ça. Attendez que ça refroidisse, j'ai pas envie de me cramer. Et Dr. Frank, tout à l'heure, il a dit attention, ne te brûle pas quand il est parti. Donc j'ai pas envie de me brûler. Ok, alors 10 grammes de farine. Hop, donc c'est farine de pois chiche. 10 grammes, ça fait une cuillère à soupe à peu près. Donc je mets une cuillère à soupe.
Bah écoutez, j'espère que. Hop, ouais, pas trop bombé. Voilà, ça va faire un petit peu plus. Attendez, faut pas que ce soit trop bombé pour que ça fasse les 10 grammes. Voilà. Là, on est bien. Hop. Ouais, mettre après, ça fait un peu des gommeaux. Voilà, bon, bah écoutez, on va mettre le bicarbonate. Hop. Une cuillère à café à peu près. Et on est parti. Et la bière. Ouais, j'espère que le dessert il sera bon, Damchine. Oh là là. Là, ça sera un nouveau dessert, quoi. Trop bien. Non, efface tout ça chez moi, dame. T'inquiète pas. Évite de te mettre. Vous êtes grave. Pas de bref à ce genre de choses. On veut un chat propre. Ah, Miyazaki, parce que du coup. Ah oui, pour les spices. Ok, d'accord. Et moi, j'ai envie d'en parler. On fait travailler le bibi. Ok, bon, bah écoutez. Ouais, mais je suis plutôt contente. Les préparations sont terminées, donc je tiens à vous dire qu'il y a efficacité, efficacité aujourd'hui. Hein. Voilà, bon bah écoutez, on lance notre dessert choco. On va l'emporte-piécer. Je sais pas si j'ai un moule de cette taille-là. Oh, oh. Mauvaise nouvelle, il y a le cake qui est en train de redescendre. Bon, on verra ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme moule? Est-ce qu'on mettrait pas ça là-dedans? Bon. Allez, bon, on fait comme d'habitude, mes deux petits carrés. Ah, sorry. Oui, ouais, voilà. Et la bière. Ah, pas encore les popcorn, attendez. Et attendez. Parce que du coup, il faut qu'on mette ça en cuisson. Ça, c'est une bonne petite quinzaine de minutes. Ouais, merci. Ouais, t'as vu Doom. Du coup, c'est Bigfoot. Ça y est, il a pris aussi le relais. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Je vais sortir ma plaque. Sur un gris. Voilà. Donc on va préparer dessus la bière. On a dit ouais bah le... quoi sinon à part et la bière, vous connaissez la règle des bières. Non, je connais pas les bières. Non, ouais, je connais pas la règle. Quand je serai grand, je veux faire Doom. Oui, grave. Ok, alors. Bon, vous, si vous avez un moule, ouais, enfin, moi, c'est. À chaque fois, c'est mes deux. Voilà. Je sais que les quantités que je fais, c'est pour l'équivalent de deux gâteaux, donc c'est parfait. Bien joué, Miyazaki. Donc, alors, quand je serai grand, je veux faire Doom. Ah, bah oui. Tu passes ta vie. Je sais pas si tu es marié ou des enfants, mais ils doivent être heureux. Ouais, non, bah en fait. Ouais, le truc, c'est que bah, je cuisine avec vous, en fait. Et comme j'adore cuisiner, que c'est vrai que bah tu sais, t'as pas forcément l'occasion pendant voilà. Oui, la tarte à la bière, j'ai vu passer ça. Ou la tarte au whisky. Mais regardez-moi, c'est donc je vous promets, on peut vraiment faire une mousse au chocolat. Je pense que ça peut vraiment être bon. Hein. J'ai envie de goûter, mais vu que la farine n'est pas cuite, je peux pas. merci, j'étais 624. Ouais, non, je cuisine pas mal pour moi en fait. Mais du coup, comme je suis en stream avec vous, du coup, je peux me, voilà, me permettre des choses. Après, c'est vrai quand je reçois des amis et tout, j'adore cuisiner. Oh, mais c'est magnifique. Je kiffe. Bon, attendez, on va mettre ça en cuisson. Hop. Hop. Voilà, on a notre premier. Pour avoir ce chocolat, ouais, peut-être que. Parce que là, j'ai mis 40 grammes, j'ai mis les 4 derniers. Oh là là. Bon, bah écoutez. J'allais dire un gros mot. J'adore ça de ouf. C'est dans le film Dick Neck. Ah, je connais pas. Dick Neck. Ça me dit quelque chose pourtant. Si, si, ça me dit quelque chose. Mais moi et la mémoire des titres, c'est compliqué. C'était quoi l'histoire? Ouais, si l'histoire, c'est un truc. L'histoire, généralement, ça me fait rappeler. Buffy, vous savez, je suis à la saison 7. Hein. J'ai bientôt fini. Hein. La fille qui regarde Buffy. Ok. Bon bah écoutez, ça part, on part sur 15 minutes de cuisson, donc on est à 180. Bon comme d'hab en fait j'ai envie de vous dire. On va dire faire 12 minutes, on va faire 12 minutes. Ok Google. Peux-tu me mettre le minuteur sur 12 minutes s'il te plaît? D'accord, un minuteur de 12 minutes. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà, c'est bon. Du coup. Très belle ref, ouais, du Québec, ouais, je connais pas, je vais regarder.
Mais je me disais pas du tout ça pour connaître sa vie, je m'en fiche, juste c'est trop cool de manger. Ah oui, Miyazaki, oui, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, ta vie elle est pratique, hein. Et depuis que Doom m'a fait découvrir OK Google, je ne crame beaucoup moins les trucs. 15 minutes de cuisson, 12 minutes, alors puis il va partir sur 17. Ouais, bah Loulou, je préfère y aller petit à petit. Du coup, donc on part sur 12 minutes. Quelques recettes. Quoi? Tu m'as dit quoi? Elle m'a dit quoi? Ah, elle m'a proposé un rôti de bœuf, cuisson basse température. Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que bah, Loulou, j'ai répété ce que tu as écrit. J'ai dit, j'ai mis 15 minutes de cuisson alors qu'il va partir sur 17. Et du coup, elle m'a trouvé des trucs. Voilà. Ouais, c'est pratique en cuisine. Et donc, du coup, en fait, depuis, bah, je crame beaucoup moins de choses. Donc, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très, très bien. Trop bon, dame. La scène des photos. Alors, attends, c'est quoi? Quelle photo? Ah oui, ah bon, au passage, le melon. Ah mince, je n'ai pas senti celui-là. En réalité, il y a vraiment d'histoire. Tu suis la vie de plusieurs personnes et ils finissent par se croiser. D'accord, ok. Bon, bah écoute, attends, ça. Non, celui qui me vient, c'est plus. Comment il s'appelle, hein? Il est horrible, il est horrible. Mince. Quand je parle. Non, les personnes en plus, elles se croisent pas, les personnes se connaissent. Ah, Requiem for a Dream. C'est ça, ouais, non, aucun rapport. Hein. Comment tu. Ouais, ah, j'ai mal parlé à Google. Pardon, mince. La scène des photos. Les bières, oui. Alors du coup, donc nous avons la glace, il en reste un tout petit peu. On va faire le point vaisselle, on va lancer les pop-corns et puis après je vais vous proposer de prendre un petit verre avec moi. Écarte un petit peu. Ah non, là c'est trop. Ad gastro. Oui, Requiem for a Dream. Ouais, exactement. Et ce film, il est fou. Et franchement, bah, tous les jeunes devraient regarder parce que il est fou ce film. Attendez, hop. Hop, donc du coup. Après, il faut bien saisir, bien comprendre et tout, mais ouais, ce film, il est juste. Ouais, il est fou. Ok, on fait petit point vaisselle. À regarder. Ok, donc ça du coup je vais regarder. Plus un pour deux. Après faut pas être dépressif. Ah maintenant c'est clair. Trafic est sympa aussi. Dans un autre genre avec Douglas et Catherine. Ouais, ça me dit quelque chose en plus. Déjà dit que je vais le noter parce que voilà. Et Trafic, je crois que je l'ai vu aussi. Mais Maya, lol, ça vaut le détour, mais c'est pas du grand cinéma. Ok, bon, tu sais, il y a quelques films hein, que je regarde, c'est pas du grand cinéma et tout, mais bon, pour passer. Voilà, ça peut être sympa, tu vois. Tu sais, parfois on a des humeurs un peu. Ah, bah, ce soir j'ai envie de rigoler, j'ai envie de regarder un film, on se prend pas la tête. Je vous dirai, après je vais le commencer, après je vous dirai si je le termine ou pas. Je crois que je trouve. Bonjour, Mister Nixon, comment ça va? Et ils ont ressorti la L. Ouais, la L aussi, c'était bien. Ah, c'est de l'humour belge. Bon, c'est pas grave, t'as vu, moi je rigole à tout. Hein. Moi je suis bon public. Hein. Ok, bah écoute. Ah, donc ça sera avec Poulvorde, Dick Henneck. Je suis désolée, belge, je pense à lui en fait. De la Poulvorde, ouais, non. Enfin, qui tourne autre de personnages qu'on rencontre quand en Belgique. Ah, d'accord, ok. Ah, François Damiens. Bah si, il est bien, François Damiens, j'aime bien. Ça risque de pas passer. Ouais. Et il y a Mélanie Laurent dedans. Oui, bah écoute, je vais regarder. Merci pour le follow, Pascal Marisa. Merci. Mais ouais, du coup, ouais, voilà, je suis d'accord, c'est trop bien. Gastro. Bon, tu n'as pas trop raconté ta soirée. Hein. Moi, je pensais que tu allais nous raconter ta soirée. Hein. Vous avez fait quoi? À part ça, hein, bien sûr. Hein. Un petit peu de détails, tu vois, des petits détails croustillants et tout, tu vois. Non, mais ça, c'est la vie privée. Alors que, voilà. Et voilà. Donc, pour monsieur, on est bon. Et on va lancer nos petits popcorn.
Et on va faire la présentation. Déjà, le bœuf, cela ne nous regarde. Oui, je sais, mais oui, je sais, je sais. Bah, c'est comme on a l'impression d'être une grande famille, tu vois, donc du coup, autour d'un verre. Ok. Du coup, on lance les pop-corn. Le roi du samedi soir. Donc, alors, attends, ouais, j'ai regardé, il est sur Netflix. Ah, bah nickel, Netflix pourra attendre que j'aille de l'autre côté. Ouais. J'ai pas Netflix ici. Là, on va vous dire que j'ai Buffy. Voilà. Pour moi, ici, je suis Buffy. Bon, écoutez, il reste quelques graines. Donc, petit point pour ceux qui. Voilà. Qui nous rejoignent. Donc, popcorn pour remplacer les chips, c'est pas mal. Du coup, on gagne des calories et on grossit pas trop. Mais je veux bien. Ouais, t'as vu, c'est ça. Ouais, c'est ça l'artiste. T'as vu? La fille qui essaye de. Voilà, donc dans mon petit bol, il y a à peu près 30 grammes de maïs, donc ce qui fait l'équivalent de, on va dire, 80-90 calories. Voilà, donc du coup, pour un petit apéritif où on ne grossit pas trop, c'est parfait. Et vous allez voir la quantité qu'on va avoir, ça va être bon, ça va être trop bon. Mais les popcorn, il faut que j'arrête, hein. Franchement, je suis trop une fan, il faut que j'arrête. Et tu sais, Damchine, je voulais faire un dessert popcorn. Bonjour, Japon Démonium, salut, ça va? Je voulais faire popcorn, et tiens, ça, peut-être pour le whisky, je vais le garder. Popcorn caramel. Popcorn caramel bière. Du coup, bon, j'ai laissé tomber. Mais ouais, tiens, je ne fais pas pour le whisky. Tiens. Et donc, un seul verre. Non, un deuxième. J'ai une tablette. Ouais, j'ai ma tablette, ouais. Oui, j'ai ma tablette, mais j'ai pas Netflix dessus. Sauf si on met du caramel. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Complètement. Thierry, même s'il paraît qu'il a passé la nuit au karaoké ou sur l'ordi. Mais j'ai pas Netflix, j'ai qu'à la maison. Ah, parce que je peux l'avoir sur l'ordinateur? Ah, la fille qui comprend. Ouais, non, mais moi et la technologie, je pense que. Hop là. J'ai craqué, plus un pour Doom. Alors, ouais, donc cela ne nous regarde pas, Thierry. Ouais, je connais. Même s'il paraît qu'il a passé la nuit. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, moi et la technique. Donc, du coup, en fait, si j'ai Netflix de l'autre côté, je peux l'avoir aussi ici. Ah, ok, non. D'accord. Mais vous savez qu'à chaque fois que. Ouais, bah ici, bah, j'ai pas fait Netflix hein, pendant tout le confinement. Oh, mais purée, c'est. Bah ouais, je suis con. Mais oui, je suis con. Mais grave. Bah ouais, mais grave. Ok, bon, bah merci, merci pour le tuyau en fait. Voilà. Bah oui, 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 c'est clair. Hein. Oui, oui. Complètement. Bon, après, c'est celui de ma soeur, donc il faut que je lui demande des codes, mais il a passé sa soirée au mois de couvert. Bonjour, Pisterop. T'es prête pour le prochain cours? Mais oui, c'est clair, Netty Netty. Alors, sache que j'ai passé le confinement sans Netflix, quoi. Truc de fou. Alors, du coup, je vous propose, on va dresser notre assiette. J'espère que le filet mignon n'est pas trop cuit, qu'il sera bien rosé, qu'il sera un petit peu rosé. Je vais quoi une assiette colorée? Ouais, celle-ci elle est bleue, ouais, hop, on part sur celle-là. Sinon j'ai jaune. Jaune, vert. Ah attendez, hop. Je sors tout ça, j'arrive. Alors, vert. Ouais. Donc Maya va streamer sur. Non, pas sur Netflix, etc. Non, non, du coup, je viens de découvrir que je peux avoir Netflix ici. Parce qu'en fait, je l'ai de l'autre côté. Et en fait, ils viennent de me dire que je peux l'avoir. Et je leur ai dit que je ne l'avais pas ici en fait. Et ils m'ont dit que je pouvais l'avoir ici juste en téléchargeant sur ma tablette en fait. Et la bière. C'est clair. Voilà, donc du coup, j'ai découvert que. Alors, en tout cas, j'ai passé tout le confinement sans Netflix. Et je viens de découvrir que j'aurais pu avoir Netflix. Eh oui. Eh ouais, c'est quoi que ça monte au cerveau? Mais encore, hein, c'est pas monté du tout. Hein. C'est vous qui m'avez dit. Hein. Bah ouais. Voilà. Donc les salons sur ça arrive. Hein. Voilà. Ouais, c'est même pas monté. Bah non, c'est pas monté. Ok. Alors, du coup, je vous montre la sauce. Je vais la goûter. Alors, c'est bien caramélisé. Il y a une petite. Ouais, il y a une petite pointe. Mais en fait, je dirais qu'on ne sent pas trop la Guinness. Ou alors, attendez, je prends un petit peu plus.
Ouais, si, quand même. On la sent un petit peu, mais c'est pas prononcé. Donc, du coup, c'est hyper doux. Oui, c'est ça, Twister. J'ai découvert le multi-compte. C'est clair. C'est pas comme si on faisait la pub. Bah ouais, non, mais c'est clair. Hein. Non, mais au secours. Très bien. Alors, on va passer pour le dressage. Comment on fait pour... Alors, on dresse, on fait quoi? Un truc joli ou... Allez, vite fait. Et je vais mettre les... Allez. Du coup, mon filet mignon, j'espère qu'il est pas... J'ai l'impression qu'il est un peu trop cuit. Alors, nous allons ouvrir ensemble. Encore un grand couteau. J'ai acheté des... Arrête! Le vent se lève, ça fait du bien. Ah bah oui, on sent pas la Guinness remboursée. Non, on sent une petite pointe en fait de Guinness. J'espère que j'ai pas... Ouais, si, regardez. Ouais, bah j'ai un peu trop cuit en fait. Parce que du coup, ça aurait été bien qu'il soit un petit peu rosé. Là. Bah écoute, on va mettre les médaillons. Comme ça. Ah, bah non, bah, t'arrêtes pas le gâteau qui cuit. Va. Bon, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et donc, c'est pas trop... Ouais, c'est pas noir, ça va. Non, ça va, c'est encore moelleux et tout, ça va. Les phoques, ça... Ça quoi? Les phoques, attends. Ça goûte pas la Guinness. Oui, c'est le Alsaler Popcorn. Oui, ouais, c'est bon. Ouais, c'est, ça va, c'est pas trop trop cuit. C'est parfait. Du coup, on va mettre nos petits oignons. J'ai pas une pince. Ça aurait été bien une pince pour choper. Non, j'ai pas en fait. Bon, on va prendre une cuillère. Allez, hop. Donc, nous, on va mettre nos petits légumes à côté. Ah, nous allons regarder les gâteaux. Pendant ce temps, les popcorn. Oui, d'où qui se lâche, c'est clair. Donc, les popcorn, c'est bon. On va regarder notre gâteau. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ça a été. Il y a eu éruption de volcan. Éruption de volcan. Alors, attendez. Hop, on va regarder ça ensemble. Ah, bah, je pense que les moules étaient trop petits. Alors, hop là. Bon, les gâteaux ils sont, c'est bon, mais ça a débordé de fou quoi. Ouais, éruption volcanique quoi. Alors, je regarde si c'est. Non, encore. Ok, Google. Peux-tu. Vous croyez que c'est à cause de la bière? Peux-tu mettre le minuteur sur 5 minutes? Ouais, c'est le Bézu, voilà, exactement. Mais grave. Ok, Google, c'est bon? Ok Google, peux-tu me mettre le minuteur sur 5 minutes? Bah non, elle a bugué. Alors attendez. Ok. Ouais, t'as vu, c'est pratique, hein. Alors attendez. En fait, elle m'a dit c'est bon, elle a dit parfait. Allez, ok Google. Peux-tu me mettre le minuteur sur 5 minutes, s'il te plaît? D'accord, un minuteur de 5 minutes. C'est parti. Voilà. Donc là, on est bon. Là, elle veut des vacances, mais grave. Mais grave. C'est clair. Alors, attendez. Du coup, donc on continue avec nos petits oignons. Bon, je réchauffe pas, hein, parce que je chaufferai après. Je vous montre juste pour la présentation. On va se mettre des petits tronçons de carottes. Hop. Les carottes, gastro, hop là. Bon, après, tu me diras si le plat, il te donne envie. Je sais pas, on va les mettre comme ça les carottes. Et on va mettre un petit peu d'huile. Voilà. Bon, ça m'a l'air pas mal. Du coup, nous avons voilà, nos petits oignons ici. Qui font office de... très bien, donc je vous montre le plat. J'avoue là, je suis nulle. Hein. Donc nous avons notre filet mignon de porc avec donc nos oignons caramélisés. Voilà, donc tout ça revenu avec la Guinness. Donc c'est un plat fait avec la Guinness. Ah bon, je deviens. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Soumise par Google. Google qui va monter un syndicat avec Pat Legal. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Ouais, donc là, du coup, je pense que ça devrait être pas mal. Donc voilà, nos Guinness en plat. Bah oui, on va surtout ranger ici. Alors attendez. Ça, c'est mon truc de recette, c'est quand je triche avec mes ingrédients à plat. Et il ne dit jamais non à une carotte. Ouais, ouais, bah là du coup en fait ces petites carottes, hop. Ok, bon je le mets là.
On va ranger ici. Voilà, merci pour le follow. Merci. Voilà, attends, c'est rangement. Merci Michael, merci pour le follow. Du coup, alors on range ça. Je vais aller chercher la glace à la Desco, on va voir si elle a pris. Hop. Voilà. Désolée. Hop. Ça c'est là. Mais du coup, est-ce que vous le voyez? Ah non, je vous fais le plan de travail propre, mais en fait, vous ne voyez pas. Donc très bien. Hop. On verra ça après. Donc nous allons prendre notre cake et on va le démouler. Incroyable. Ah ouais, Madame Chine, pourquoi? c'est que tu es un lapin, tu as un gaspillé, il ne jamais nourri. Oui, bah, c'est qui les lapins? Ah, mais attends que les lapins hein, qui aiment les carottes. Ah, moi, je kiffe les carottes. Hein. Bêta-carotène, antioxydant, c'est très très bon pour la santé. Hein. Donc à l'apéritif, vous prenez des petits bâtonnets, vous croquez dedans, c'est parfait. Voilà, donc cru, vous gardez les nutriments. Après, quand vous faites trop chauffer, vous perdez un peu de nutriments. On m'a trop donné bien avant la vie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix. Je connais pas. Je connais pas. C'est dans Balou. Baloulou. Non, c'est Baloulou. Ah, c'est. Ah non, c'est. D'accord. La fille qui n'y connaît strictement rien. C'est David. Hallyday. Gastro-Hallyday. Ok. L'idée de la bière, je sais pas qui l'a eu, mais c'est un génie. Un beau gosse. Ouais, parce que là, pour l'instant, Damchine, c'est réussi. Hein. Tout est réussi. Oh, tu as eu l'idée. Ok, et donc ma carotte est prise, voyons. Tu connais pas Johnny? Bah en fait je connais certaines de ses chansons mais pas plus que ça en fait. Ouais je connais pas. Ouais non je connais pas plus que ça. Bah après je sais qu'il est bon hein, ça. Ok donc du coup on va démouler le cake. J'espère qu'il a pas trop accroché. Ouais, comme j'ai pas mis d'huile, du coup, je sais pas. Ouais, donc avant que je le prenne par en dessous. Alors, attendez, on va prendre une spatule, du coup. Oui, il est mort. Oui, bah. Johnny Hallyday, oui, il est mort. J'ai vu une vidéo d'un monsieur qui fait des glaces au Big Mac à l'huître au wasabi. Là, tu vois, tu sais, ça me donne pas très envie, Netty Netty. Voilà. Du coup, bah écoutez, il se démoule quand même plutôt pas mal. Oh, je ressens cette texture là toute moelleuse grâce à l'avocat. C'est. Oh, je. Ah, bah, ça va être ça, va. Alors, du coup, nous allons prendre une petite assiette. Donc là, c'est quelques guacamole à la DSP. Et au cassoulet. Quel sacré mélange. Du coup, je monte le cake. Hop. Hop, il est hyper moelleux. Ouais, donc j'espère qu'il est bon. Donc Delphine, là pour l'instant, il y a tout est réussi. Hein. Ah là là, c'est trop bien. Voilà, donc je vous le remontre. Voilà. Donc il y a des spé, pardon. L'avocat. Johnny, il est sur une île avec Elvis et Mag. Ouais, bah voilà, c'est ça. Exactement, il est en train de s'éclater avec Elvis Presley et Michael Jackson. Il est passé où le bout qui manque dans le. Ah non, bah il est là. Mais il manque pas en fait. Il manque pas beaucoup, hein. Ça a pas trop accroché, je suis contente. Ok, donc on va voir les yeux. Hein. Le goût du Big Mac bien fumé associé à l'iode avec le wasabi. Ah ouais, ça peut le faire. Moi, du coup, ouais, l'iode et la viande, tu vois, ça me. Ouais, c'est pas un mélange qui. Autant j'avais goûté, je crois, foie gras. C'est quoi un foie gras avec. Je sais plus c'était quoi, avec des huîtres, je crois. C'est particulier. Ouais, c'est particulier en fait, faut aimer quoi. Ok, alors on va regarder le Vésuve. Ok, c'était pas mélangé mais des parfums distincts. D'accord, ok. Ah oui, ok. Bon, peut-être alors. Hop. Du coup, on va remettre ça là. Voilà, donc on prend le Vésuve. On va chercher le Vésuve. Hop là. Je viens juste regarder si c'est cuit. Donc là, on est sur 15, 12 et 5, ça fait 17. Hé, hey, peut-être que vous allez avoir raison, c'était 17 minutes. Hein. C'est cuit. Très bien. Il y a peut-être un petit peu trop. Allez, on récupère. Je verrai si c'est trop cuit, comme ça, il faut enlever une ou deux minutes. Voilà, je vous présente le Vésuve. Alors, du coup, est-ce que c'est la bière qui a fait ça? Je sais pas. Voilà. Hop.
Sister Rock, t'as vu? Et on sent grave le goût de la DSP. Truc de fou. C'est un petit bout de cake qui traînait. C'est un truc de fou, trop bien. C'est excellent. Trop bien. Alors, attendez. On y va. Donc là, du coup, je sais pas comment... On va en démouler un. Voilà, donc pour ceux qui nous gênent, c'est un gâteau au chocolat avec de la Guinness. On va voir ce que ça donne. On va mettre ça sur un petit plat. T'as fait quoi dans le moule? Ouais, c'est gastro. Tu m'étonnes, j'ai pas osé le dire. Mais grave. Gastro délicate. J'ai pas osé le dire. Alors, attendez. Une petite assiette. Bon, j'espère que la glace elle a pris parce que du coup, Damchine, pour l'instant, on est bien là. Hein. On est bien, on est bien. Celui-là. Ah bah non. Ah ça a pas bien cuit en fait. Du tout. Du tout, du tout. Bon là du coup en fait je crois que ça a foiré. Ah, comment ça se fait? Ah c'est sorti en fait. Parce qu'il y a tout qui est sorti. Ouais. Alors attendez. On va essayer de récupérer celui-là. Ouais c'est comme s'il y avait tout le liquide qui était resté en bas en fait. Enfin, je pensais que la farine ça... Ou alors c'est un fondant, vous savez, quand on ramène dans un au restaurant. Ouais, éruption volcanique, ouais, c'est clair. Bah du coup, ouais, parce que le reste, là, ouais. En fait, c'est une texture très fondant, en fait. Comment vous dire? Bon, on va essayer de... Attendez, je vais prendre la spatule. On va essayer de récupérer. Et du coup, pour ajuster, il faudrait que je mette quoi? Plus de farine. Et, ou alors moins de... Il faudrait que j'essaye avec les 5 cl. 5 cl de bière et pas 10. Il y en a peut-être un peu trop. J'ai pris le torchon par terre et j'ai essuyé. Bon, n'importe quoi. Alors, on y va. Ah! Ok. Ouais, ça fait trop fondant en fait. C'est tout liquide. Ouais, donc gastro, du coup, c'est vraiment liquide quoi. C'est pas bon quoi. Je suis sûre qu'elle va nous arranger ça au niveau de ça après. Ouais, bah oui, complètement. Attention, hein. Il faut que... Après, il faut juste que ce soit bon. Là, pour l'instant, on n'a pas encore la texture. Hein. Écoutez, c'est nouveau. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'avoir... Prochaine étape, c'est avoir la texture. Après, si c'est bon, on est déjà bon. Ouais, il y a tout qui s'est barré, en fait. Non. Ouais, ouais. Il y a tout qui s'est barré. Ça n'a pas cuit, en fait. Les seuls trucs qui ont cuit, c'est ce qui est sorti. Ce qui est sorti du Vésuve. Alors du coup, je vais essayer de vous arranger ça. Hop, on va remettre ça là. Ouais, faudrait cacher avec une crème. Ouais, ça va pas cuit en fait, pourquoi? J'étais impressionnée par la farce. Bon, bonjour mes crins. Ouais, coucou, ça va? Ben goûte. Oui, ouais, je sais. Ouais, faut que je goûte, ouais, je sais. Ok, alors attendez, du coup, allez, je goûte. Mais je sais pas pourquoi. C'est hyper bon. C'est hyper bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Mais du coup, la présentation est juste à... on va pas utiliser le mot, hein. S-H-I-E-R. Caméra haute. Ah, tu veux, tu stir up? Ouais, caméra haute. Yes. Donc attendez, bah, je vous fais passer. Voilà, et donc du coup, en fait, comme ça, tout a explosé, tout est sorti. En fait, là, on a juste une fine couche. On a une fine couche, mais voilà, il y a tout le... Comme si c'était un fondant. Donc là, on a le dessus, et là, c'est hyper fondant. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas cuit. Bon, voilà. C'est comme... Ouais, j'ai oublié d'allumer le four. Non, arrête, bah, Loulou, je t'ai promis d'être allumé. Bon, mais bah, écoutez, c'est... Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est le premier essai. Et autant vous dire, vu que c'est bon, on va essayer de faire un deuxième essai. Et on va essayer en version glacée. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Version glacée. Non, d'abord, j'ai fait en version gâteau. Voilà, donc en fait, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est cuit, mais ce qu'il y a à l'intérieur, non. Donc c'est peut-être le moule qui va pas, c'est peut-être le moule. Mais oui, ça doit être le moule. Les enfants, je dois y aller. Ouais, ça marche, c'est un... Ouais, merci. Ouais, Damchine, grâce à mon idée. Ouais, tu m'étonnes. Allez, bon après-midi. Ouais, grave, fallait prendre une bière plate. Hein. Ouais, du coup, je sais pas si c'est les bulles en fait qui ont fait ça. Bon, enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est bon.
C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un nouveau test. C'est parfait. Ah, continuez. Ouais, je pense que là, du coup, je pense que c'est ça qui a dû retenir. Je sais pas. Allez. On va chercher la glace à la DSP. Ok, on y va. Même tasse. Oui, en fait, j'ai tout mis. Ouais, voilà. Donc là, du coup, ça fait un gâteau. Ouais, allez. Donc, je vais chercher la DSP. On va essayer de la sortir. Hop, je vous remets avec moi. Voilà, du coup je vais chercher la DSP et je reviens dans 2-3 minutes. Niveau question, question four, c'est top le petit. Oui, ouais, bah Loulou, et d'habitude ça marche bien en fait avec tous les gâteaux que je fais, mais là du coup, hé la bière, ouais, hé la bière. Je vais chercher la glace à la DSP, j'arrive. Bon, ça n'a pas encore pris, mais du coup, je vous le mettrai en photo quand ça aura pris. Alors, attendez, hop. Ouais, non, ça n'a pas encore pris. Ça a légèrement pris, du coup, on va laisser continuer. Et c'est une glace à la DSP. Donc, du coup, bah, écoutez, je vais laisser que ça prenne encore un petit peu. Et je vous mettrai la photo quand je démoulerai la glace. Pour le 4 heures, au soleil, en train de bronzer, avec sa petite sa glace DSP. Ouais. Alors, du coup, donc nous allons passer à l'apéritif. Donc, ce que je vous propose, non, tout n'est pas liquide, arrête. Bonjour, bonjour, Michael, salut, ça va? D'où il a dit moule fermée. Ah, moule fermée, ok, merci, j'ai pas vu. Ok, donc c'est peut-être pour ça alors. Voilà, du coup, bon, pas grave. Dans les différents trucs, on est quand même bien. Repas spécial, EHPAD, tout ça à la paille. Ouais, c'est ça? Mais non, c'est pas liquide. Alors, donc nous avons notre cake guacamole à la DSP. Donc on a mis un peu de DSP dedans. Vous êtes grave. Du coup, si on a un peu de texture, on a le filet mignon. Du coup, il n'y a pas à le réchauffer. Voilà. Donc nous avons le filet mignon qui a mijoté avec de la Guinness, sauce Guinness en fait ici. Hop, bon, c'est un peu liquide, pas grave. Oui, ça. Je reviens sur le liquide. Nous avons notre gâteau au chocolat avec de la Guinness. Un peu finé, peaufiné. Merci. Merci à tout Starop, merci. Non, ouais, ça c'est clair, il n'y a pas abîmé les dents, là c'est un petit peu tout mou. Ça va jamais refroidir. Par contre, si tu les laisses, ça va jamais refroidir. Tu parles de Baloulou, pourquoi? Pour le gâteau? Ah, pour le ressortir. Je le ferai après, t'inquiète. Ouais, je le ferai après. Ouais, je pense que le filet va être bon, le petit filet mignon. Et du coup, au soleil, il m'explose. Ah oui, c'est Jennifer. Mais qui l'a mis sur le Discord? C'est Cafard, je crois, qui a mis au soleil. Ouais, il me semble. Ouais. J'arrive, je suis là dans 15 minutes. Ouais, ça marche, Michael. Merci, c'est gentil. Du coup, donc, ce que je vous propose, c'est de prendre. Voilà. Donc, j'ai pris différentes bières. J'ai écouté ce que vous m'avez dit. Donc, si vous voulez, en fait, il y en a. Donc, j'ai pris. Du coup, bon, il reste soit la fin de la DSP. J'ai pris une Quack. Bah, l'IPA. Il y a une goudale et j'ai pris aussi une tripette camillette. Par contre, du coup, la tripette camillette, vu que c'est une bouteille, je ne l'ouvrirai pas. Donc voilà, est-ce qu'il y en a une que vous voulez que je goûte? Je ne connais pas. Elle a pris un fût, évidemment. Faut les remettre dans le... Mais oui, il faut les remettre dans le congélateur. Mais grave. Ok. Voilà, donc est-ce qu'il y en a une que vous voulez que j'ouvre et que je goûte? C'est pas faux, Balolo. Oui, je vais les remettre. Mais oui, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Très bien. Bon bah écoutez, allez, un bon bourguignon. Ouais, un bon bourguignon. Ah oui, trop bien la couette, tu as le verre. Ah oui, mais j'avais le verre, mais c'est dans... Ouais, c'est, je sais où c'est, mais c'est pas là. Oui, j'avais, ouais. Donc du coup, allez toutes. Non, Gastro, je vais ouvrir toutes. Une. S'il y a des amateurs de bière habitant l'île. Ah oui, t'as une bonne adresse. La clope se consume et elle s'enfile le reste du pack avant. N'importe quoi.
Du coup, je goûte la couac. Et attendez, il y en a une autre aussi. Ah, mais non, il y a la chimée aussi. Il y a une chimée. Donc la couac, l'UPA, la Laguna, je sais pas. Et la Gouda. Du coup, je goûte la couac. Vous me conseillez la couac? Ouais. Non, j'ai pas le verre, bah, loulou. J'avais le verre, mais c'est l'espèce de. Tu sais, l'espèce de petite boule, et après ça part en, comme ça. Ouais, j'ai vu dans les cartons, je voulais le vendre en brocante. Et du coup, je sais où est les cartons, mais ouais, ça va prendre trop de temps pour que je sorte. La couac? Ok, bon, bah c'est parti. Alors pour la couac, je vais goûter la couac. Avec le verre, ça serait top. Ouais, je sais, Doom. Ouais, si je vais chercher la bière du. Pas que c'est ici. Après, j'ai des verres à bière, hein, mais non, c'est pas là. Vous me laissez peut-être 3 minutes, alors du coup, je vais essayer de trouver le verre. Parce que je crois qu'il est dans le carton, il est juste là en fait. Vous me laissez 3 minutes. Ouais, la chimée, ça sera moins compliqué. La chimée, elle tue. Mais fait péter et la bière. Ouais, j'arrive, j'arrive. Donc, du coup, je vais chercher le verre. Je regarde vite fait si je trouve le verre. D'accord? 2 minutes, vous me laissez 2 minutes, j'arrive. Hein. C'était parti pour être vendu en brocante. Alors, il y a de la poussière de fou. Parce qu'en fait, je n'y a pas utilité, je bois pas de bière. Ok, donc du coup, je l'ai. Bon, bah, voilà. Donc, c'est bien ce verre. Et voilà, elle reviendra. Mais oui, ça y est, je suis là. Termine ta classe tranquille. Alors, attendez. Hop là. Donc, ouais. Donc, du coup, je voulais le vendre, mais bah, déjà, on va le rincer hein, parce que pas très propre. Comme les brocantes, c'est un peu annulé. Alors, attendez, hop là, un ciseau. Merci. Qui ira plus vite. Voilà. Donc, du coup, bah oui, c'était. Bah oui, stream bière. Alors, du coup, stream bière, quoi. Lol, cette chaîne est réservée aux abonnés. Activer le mode réservé pour cette chaîne. Ah! Ok. Pourquoi il faut pas? Est-ce que j'ai un truc pour. Attendez. Ah, je crois. Bien rentrer. Ok, bon bah écoutez, hop là, par contre j'ai pas un truc pour aller jusqu'au bout, non. Bon, poussière au bout, c'est pas grave. Allez, je rigole. Donc attends, private room aux initiés. Ouais, c'est clair, pourquoi t'as activé le mode hein? Ça va rien changer. 8 morts, 6 blessés, j'ai pété ma bière libellée. Ok. Bon, bah du coup, bah alors ça, attendez, je vais juste, hop là, enlever la poussière. Voilà, comme ça, bah écoutez, hein, parfait. Vous avez bien choisi, parce que du coup, j'ai le verre qui va avec. Bon, ouais, la chimée ou autre chose, j'aurais pas eu, hein. Ok, bon, bah c'est parti. Bah encore, il faudrait peut-être que j'ai un décapsuleur. Je vais la voir, moi. Hé, la couac. Ouais, hé, la couac, mais grave, hein. Attendez, faut que je cherche un récapitulateur. D'accord. Bah, j'ai pas tout à portée de main, c'est un bon départ. J'ai l'ouvre-bouteille de vin, mais des capsuleurs, non. Avec ton briquet, mais j'ai pas de briquet. Ok, alors c'est bon, de la couac en France. Ouais, du coup j'ai trouvé, bah j'ai fait. Ouais. Mais c'est vous qui en avez parlé en plus. Du coup j'ai. Bah oui, j'ai repris un peu ce que vous aviez dit sur les bières. Bon écoute, on est parti. Je prendrai juste une gorgée, hein, c'est juste histoire de trinquer avec vous. Ouais. Et c'est là, vous savez quoi, où on voit que je pense qu'il y a de la poussière en fait. C'est pour ça que ça vous fait pas. Demande celui du chat, mais vous êtes grave. Non, il n'y a pas de décapsuleur, c'est vrai. Bah non, c'était des canettes que j'ai pris. Bah attendez, on attend que ça remonte un peu. C'est normal qu'il y ait autant de mousse? Parce que j'ai fait de travers en plus. J'ai bien versé, non?
Non, ça mousse. Ouais, ça mousse de fou, quoi. Ah, fallait mouiller le verre, mince. Bon, bah du coup, tant pis. Bon, c'est pas grave. Ok, et là, il y a beaucoup de mousse. Ouais, mais je l'ai rincé, du coup. Mais j'ai pas le truc, vous savez, pour aller jusqu'au fond. Bon, c'est pas grave, du coup, voilà. Bon, bah écoutez, je trinque avec vous. Donc, merci toujours d'être avec moi dans ce genre de verre normal. Ok, aspire toute la mousse. Alors, attends. Ouais, c'est pas mal, hein. Attendez, si je vais récupérer comme ça. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Bon, là, c'est que la mousse, hein. Ouais. Bon, c'est que la mousse, hein. Pourquoi? Avec la cuillère, c'est pas bon? Attendez, je récupère la mousse. Mais non, mais arrêtez! Mais vous êtes grave! Merci pour le follow. Merci Elodie du 24 pour le follow. Voilà, du coup, j'ai mal la... Mais non, mais pourquoi vous dites ça? Maintenant, du coup, j'ai la place pour mettre le reste de la bière. Mais ça mousse encore, en fait. Non, voilà, c'est bon, là, c'est bien. Vous avez vu, ça fait joli. C'est trop bien. Bon, bah, merci de m'avoir dit d'aller chercher le verre. Voilà, donc là, du coup, maintenant, ça monte. J'ai laissé la place. Sur une calèche, la Belgique. Mais non, n'importe quoi. Voilà. Très bien. Arrêtez, ça me monte déjà à la tête. Voilà, donc nous avons là, je vais déguster la couac. Très bien. Donc, bah écoutez, voilà. Je porte un verre à votre santé. Ouais. Voilà, donc en tout cas, c'est pour vous remercier parce que je passe des super moments avec vous. Elle s'est mise à deux déjà. Attends, sur une calèche, autrement c'est interdit. C'est quoi une calèche? Merci pour le follow. Alors 15, c'est des signes chinois. Voilà. Bonjour le Willstream. Best bière ever. Ouais, maintenant fais gaffe en buvant, fait un drôle d'effet ce verre qui peut tout envoyer dans la bouche d'un coup. Ok, donc du coup je vais juste le tenir comme ça. Ok, donc c'est parti. Bonjour Cisarena, coucou. Monte sur le tabouret, attache une corde au cou qui vont jeter dans le tabouret. Il est là le tabouret, mais non. Bon, allez. Bah écoutez, bah voilà, donc bah, votre santé. Voilà, bon, je voulais vous remercier parce que voilà, vous êtes tous adorables, trop gentils. Voilà, donc j'ai pas suivi interdit. J'ai mal pour Netiti qui a mal à sa Belgique. Ouais, je suis désolée, mais du coup là maintenant il est beau. Maintenant elle est belle la bière. Voilà, donc merci pour tout, merci, merci. Je vous souhaite une bonne après-midi. Du coup, on est samedi ou dimanche? On est dimanche. On est samedi ou dimanche? On est dimanche. Ok. Donc du coup, on se retrouve mardi en fin de journée pour le stream sport. On va travailler le haut du corps. On attend que tu arrives à la bulle pour partir. Non, je prends juste une gorgée comme quelqu'un a fait un clip de la pousse à la gueule. Non, c'est bon. Twister up, c'est entre nous. Faut pas que ça reste. Non, bah Loulou, lundi, non. Demain, je suis de repos. Non, non, mardi. Mardi, stream sport. Et du coup, on reprendra. Ouais, stream sport mardi. Puis bah, après, vous serez avec moi pratiquement tous les jours de la semaine. Ouais. Donc, bah, écoutez, à votre santé. Merci encore pour tout. Merci, merci. Voilà, merci d'être vous. Merci, voilà. Merci, merci d'être avec moi. je vous fais. Bon, je prends une gorgée. À votre santé. Du coup, j'ai de la mousse. Voilà, c'est bon? Ouais, à votre santé, profitez bien de votre après-midi, à la vôtre, ouais. Et bah, je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour tout. Et voilà, et puis je vous dis à mardi en fin de journée, pour ceux qui sont motivés pour le sport. Bon, même si vous regardez, vous pouvez être là. Gros bisous, et merci pour tout, merci, merci. Merci. Ah, vous avez des petits bruits des mouches.